Et Yo! C'est le début du clan War. Yes. AW contre AIEX. On a Dex contre Pressure. Ouais, contre Fenix. Du gros level, 5k2. Par contre, pour Dex ou pour Pressure? Bah, pour Dex, évidemment, c'est notre team. Ah ouais. Et en haut à gauche, nous avons le Terran bleu. Ah oui. Joueur de chez AW. Il s'appelle Dex. Et en bas à droite, nous avons un Protoss rouge, prénommé Pressure. Protoss. Et une grande carte. Hein. Protoss 5k2, c'est costaud. Hein. C'est faut aller clairement chercher. On a un petit gas first pour le bro Dex. Alors, je sais pas si Dex il tente l'arnaque. Est-ce qu'il tente l'arnaque? Alors, il pose la baraque. Je crois qu'il fait un départ mine. Je suis pas sûr. Tout ça, ça m'a l'air plus ou moins normal. Ouais. Vu de ma grande qualité d'analyse TVP. Comment? Exactement. Mon match un grand joueur Protoss. Hein. N'est-ce pas? Alors non. Mais c'est pas grave, let's go. Ouais. C'est parti poulet. Il a vu la sonde. Pour le moment, pas encore. Double gaz. Allez, texte, réveille-toi. Le Protoss qui vient casser les couilles. Et il casse les couilles de façon naturelle. Mais par contre, naturel? Oui. Ah oui. Par contre, il a mongolisé avec la probe. Oui, t'as la référence, j'espère. Hein. Du naturel? Oui. Non, j'ai pas la référence. C'est de quoi il s'agit? Non. Ah, c'est un mec. C'est un gars qui fait de la muscu. J'ai oublié comment on appelle ça en français, c'est génial. Mais tu vois qu'il est bourré de stéroïdes parce qu'il est un format qui n'est pas humainement atteignable en fait. Ouais, genre, exactement. Pas naturellement, tu vois. Il a été dopé dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pris des stéros quoi. Il a pris des stéros et donc un gars lui demande naturel. Il fait oui. Mais genre, oui, t'entends très bien que c'est non, tu vois. Genre, oui, naturel. Un cas la voix, oui. Oui. Tu sens l'arnaque. Ah, double Reaper. C'est bizarre. Alors, ça. Par contre, il fait pas de B2. Double Reaper, c'est étonnant. Mais c'est parce qu'il a pris deux gaz, ça, non? J'y connais rien en TVP, mais deux gaz pour mettre 2 et 1. Je sais pas si c'est incroyable. Ça a pas l'air insane vu comme ça. Alors, un peu naze, hein, son BO, non? Ah non, je crois que c'est le standard d'aujourd'hui. Oh, bah putain, vous en êtes tombé si bas, les Terran. Bah super. Alors, c'est généreux. Enfin, c'est pas opti en termes de ressources. Okay. Mais en termes de ressources, c'est pas opti du tout. Il a 170 de gaz. Tu te fous ma gueule? Il y a du son. Oui? Je sais pas si. Moi, t'as dit ta gueule, il y a du son. Ah, il y a du son. D'accord. Non, mais RIP, il me dit dans le. Sur le strip qu'il n'y a pas de son, alors bon. Pourquoi tu m'as dit ta gueule? Il était un petit peu impatient là. Pourquoi? Quoi? J'ai pas dit ta gueule. Tu m'as pas dit ta gueule, il y a du son? Non. Ah, j'ai mal entendu alors. My bad. Je crois pas. Là, mais monsieur, tout de même, c'est un peu gratuit là. Et tout de même. Alors, est-ce qu'il va faire un peu de dégâts avec. Ah non, il va pas faire de dégâts. Non. Là, il c'est un repoussé. Tu peux rentrer à la maison. Là, ouais. Tu peux rentrer à la maison. Il va faire un drop mine du coup, j'ai l'impression. Par là-dessus? Non, tout le monde peut chatter. Avec des marines peut-être? Oh, il va faire double agression, un hein, drop mine au-dessus. Après, et en vrai, il a autant des suivis. Hein. Oh non, j'aime pas. Ah, par contre, ouais, le tourmenteur, faut pas c'est qu'il pas prenne incroyable. De dégâts. Il a déjà pris 60 dégâts sur le lien, c'est un peu chaud. Ouais. En vrai, après, il a autant des suivis que l'autre a de prom, hein, mais la B2, elle est si late quoi. Et puis, il y a 3. Il est supply block là. Il y a déjà 3 gates là. Ouais, ça s'est rétabli avec la B2. C'est pas mal en termes de prod, c'est honnête. Alors, là, il va drop gate, mine, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, il va drop double mine et puis il va mettre la presse en frontal. Non, mais par contre, faut arrêter. Bah, en fait, il pique l'info enfin, en fait. Faut attendre tes mines. Rien de plus. Oui, d'accord, mais alors tu le fais avec les Reapers qui vont régénérer en fait. Ah, seulement deux petites mines qui vont arriver ouais. Là sur la B1. Bon. Alors, je sais pas. Il y a peu de chances qu'il se fasse catcher en tout cas. Ouais, mais le truc c'est qu'il y a déjà un stalker donc. Le truc c'est que le double front va pas marcher vu qu'il y a 4 stalkers qui attendent sur la B2. Bah ouais, genre il y a. Ah, après s'il les décale, ça peut peut-être faire quelque chose. Hein. Regarde là, les stalkers ils sont plus là, il va avoir besoin de ramener l'attention. Après il y a déjà 2 stalkers dans la main. Ça a été catché là. Il est dessus. Il a l'air solide dans le petit pressure. De l'autre côté, ouais, bah y a pas grand chose hein, qui va faire de dégâts. Oh non, il suicide les lions. Oh, il suicide les lions et les Reapers. Il faut que les mines elles fassent là, un comeback des stalkers.
Là, la mine, Bon, elle je a pense pas buté qu'il va une faire probe. la mine de Jésus. Ouais. 3 probes. 3 probes pour Par contre, 2 hélions, 2 mines. Enfin, 1 hélion, 2 reaper, y a pas grand sauf par chose. une mine. Oh, attends, est-ce que Ah, il j'ai la rattrapé le sève. minivac? Oh là là. Attends, attends, c'est pas encore fait. Ouais, c'est Si, bon. c'est bon. Heureusement, il n'y avait pas le blink, sinon c'était au revoir. Ah bah c'était Après, il y a un dead. plus 1 d'attaque vachement early hein, pour le Protoss. Ben, Il a un peu sacrifié l'écho, il est que à 36. pour le moment, il n'y a pas encore de Mais. B3. Ouais, je pense qu'il va faire un gros timing sur le plus 1 d'attaque sans doute. Je sais Sans pas, doute ce qu'il il compte faire. s'attendait à un timing attaque du terrain vu sa compo là. Non, moi je pense qu'il veut faire Il un est pas timing. serein. Je pense qu'il veut aller faire un timing, mais il a pas le blink en fait. Son crépus, il est trop tard. 5 minutes Je sais pas. 40, ouais. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop le BO parce qu'il va pas avoir un timing 1 d'attaque vu qu'il n'y a pas le blink. Y a pas de B3, y a C'est deux un peu tanks, étrange. y a C'est pas un peu d'été. étrange. Là, le troisième tank, il dit non à toute forme de blink en fait. Ouais, ça va être Stop un les timing blinks. offensif à partir de Bah ouais, Gateway Unit, hein, rien de mais. plus. Bah ouais, mais. Ah, il fait la charge! C'est marrant Ah, ça. non, mais ça Après, part c'est pas con. en semi-all-in D'un là. côté, c'est. D'un côté, c'est pas con parce que, genre. À faire beaucoup de stalker, il te pousse à penser que c'était blink. Et en fait, ça va être charge. Là, on va le savoir bientôt en fait. Bah là, il fait la Là, il charge. Ça accumule. sera charge. On va voir s'il pose 3-4 gateway. Hein. Il pourrait faire un timing Après, push. il a pas vu la troisième base, le Dext, je pense. Non, pas Non, encore. il a pas vu. Mais il l'a vu qu'il allait la prendre de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'il a vu la probe, mais est-ce qu'il l'a vu, tu vois? Alors, il peut avoir eu un Hélion dessus et pff, Je avoir crois raté qu'il l'info. l'a. Ouais, je sais pas. En vrai, il est pas mal là, hein. Il y a plus de civils qu'il y a de probes. Il y a une armée à peu près aussi grosse. Il y a quelques tanks. Là où en face, il y a juste des stalkers sans le blink. Donc, va pas y avoir directos a priori de. Ouais, Là, il est attention. supply block, il a pas pu faire un immo pendant quelques secondes. C'est le 2 d'attaque C'est ça? honnête, hein. Ah ouais. Ouais, il a fait le plus 1 très très vite. Ça. Après, là, il y a pas mal d'ops qui vont se mettre pour la bio, là, d'ici 40 secondes. Dext est parti pour faire un timing attack avec pose de B3, je pense. Ouais, mais je suis pas archi fan parce que bah, l'autre, il est aussi parti sur un timing. Au niveau armé, c'est pas mal, hein. Dext, il est bien Ben, dessus. ouais, faut Mais le voir, temps faut qu'il arrive, voir. il va accumuler 800 de minerais. Ça va faire 8 zélotes de plus. Ouais. C'est 8 zélotes là, tu rajoutes 8 zélotes à l'armée du Protoss, j'ai pas franchement envie de la fighter en tant que terrain. Hein. Bah, après, avec 3 tanks et puis Après, il a un 32 missile pop d'avance. Shredder Hein. bien placé, c'est bon, ça passe Après, tranquille. il a plus d'écho donc il est pas obligé de kill. Le truc, Il doit c'est juste trade de que là, façon pas trop dégueulasse quoi. 28 VC sur la B2, ils peuvent faire autre chose que attendre. Ah, mais après, c'est un peu d'une façon les garder safe entre guillemets. Alors là, ça va être l'attaque. Il y a deux immo quand même. Le corbeau, oh non, le corbeau c'est Ah, terrible. il a eu le temps de lancer son missile. Après, s'il pick up les Alors, immo, c'est pas mal. Hein. En vrai, là, il pick c'est up un bon. peu Hein. tout. Il n'y a pas C'est de un patrie bon shield. counter. Hein. Pick up C'est bon, les il est immo, les largement immo, les immo, devant. les immo. Les Voilà, immo. immo, Ah oui, pick up immo. les deux immo. Ah bah, c'est la game. 3 stalkers, 1 zélote. Hop, le zélote. Maintenant, faut En vrai, c'est micro game pour ça. Hein. les En vrai, ça stalkers. c'est game. Hein. Ça c'est game. Hein. C'est game de Voilà. ouf. Genre, ça va pas finir, mais ça va le mettre tellement loin. Il perd 7 Il va probes perdre. alors qu'il en avait déjà quasiment pas. Non, mais regarde la hip-hop derrière. C'est bon. Et c'est gagné. Hein. Là, il a Mais il pas rallie assez pump, derrière. il cross et c'est gagné. Hein. Là, regarde Parce la qu'il n'y a pop plus armée du tout de, 46 y a plus17. de bonne unité en fait. Le Protoss il a 800 de minerai et 1000 de gaz, mais il n'a pas d'unité en fait. Genre il a un immo je crois. Il a même plus d'immo. Il a 4 zélotes et 2 stalkers. Hein. 4 4 zélotes. stalkers, 4 zélotes. C'est gagné. Hein. Ouais, c'est Allez bien gagné. Dex, défonce-le. Voilà, ça c'est mon Hop, Dex. Je hop, lui avais hop. dit, éclate-le. Je lui avais dit de le défoncer. Il l'a défoncé. Voilà, parfait. Ça c'est mon Dex. Je lui avais dit, Il l'a casse-lui la fait. bouche. Easy. Première victoire pour AW. Allez, à la suite, la suite, la suite. Défora. On va tenter de créer, Let's tiens. go là. Ça c'est bien ça. Après en vrai, le drop minélion, il a fait pas mal de temps de minage hein, quand tu vois le graphe des récoltes. A bien récolté, mais c'était une erreur de partir sur Emo. En vrai, je pense même pas. Au pire, Mais destructeur. Ça aurait été pas mal. Mais il n'y avait pas de batterie shield sur la B3. Ça, c'était une erreur de Protoss. c'est surtout que son build il est pas terrible. Genre il a fait le 1 d'attaque trop tôt. Genre ça lui a coûté trop cher.
Eh, t'es pas dans la game. Non. Il est au salon, je suis pas dans le pot. J'ai essayé de t'inviter. Ah, c'est toi qui joues là? Non. Let's go! Il joue et caste en même temps. Ouh. Bah, je peux tout faire. Oh shit. Petit troll. Évidemment. Putain, je me mets à troller mais pas dans le bon chat, c'est horrible. Ah bah t'es malin toi. Ouais. Est-ce qu'on a de l'audience? Oui, qu'on peut parler en québécois, ça va être drôle. Oh là là là. Audience. Let's go. Ah, c'est en BO3. Je crois pas qu'on sera bien vu si on parle québécois. Qui croit en un sera bien vu. Qui croit en un sera bien vu. Plutôt du wallon que du québécois, mais. Du verlan québécois, oui. Du wallon que du québécois. Le wallon. Wallon. La langue en Wallonie. C'est cool. Génial là. On a vraiment un français qui connaît rien à la Belgique, putain. La Wallonie, c'est au sud de la Belgique. Putain. Salaud, c'est là qu'il parle français. Ça y est, à Bruxelles. Allez, papy, tu l'as éclaté. Let's go. Je comprends vraiment pas le build du Protoss. Genre, il a fait maxito son plus 1 d'attaque. Bah, il a eu 0 dégâts. Normalement, au texte, genre, il était largement derrière. Mais je sais pas. Il était supply bloc longtemps, je crois bien. Je te dis, c'est le build. Hein. C'est, à mon avis, c'est le plus 1 d'attaque. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais ça lui a coûté trop d'écho en early. Et puis aussi, il a fait la charge alors qu'il avait 2 zélotes, en fait. Genre. Tiens, mets-toi au milieu de la carte. J'ai te passé la vue. Ok, je suis sur toi. D'accord. C'est bon. Bon. C'est bon, t'as la cam. Alors en haut à gauche, une fois de plus, joueur terrain rouge qui représente l'écurie AW. Il s'agit de Dexter. Et en bas à droite, pour Ajax, il a subi son nom lors de la première partie. Il s'agit. Pressure. Il a subi la pression à la game précédente. Est-ce qu'il va le faire encore sur celle-là? Alors que toute bonne personne sait bien que la pression ne se subit pas mais se boit. Oui. Oui. Exactement. Alors oui. Ça passe tellement mieux. Ça c'est des paroles de sage. D'accord. Alors bon, ça m'a l'air d'être le même BO. Non. Dex il a beaucoup plus de gaz. Il a pris énormément de gaz. Hein. Ouais. Une fois passé, il avait 2 et 1, là il a 3 et 3. Alors qu'est-ce qu'il compte faire avec? Une early facto, d'accord. Donc, priori, peut-être à base de cyclone maraudeur en début de game. Ce sera original. Je sais pas si ça passe ça par contre. Je pense pas, non. Moi je pense que. Ah, peut-être Banshee. Une early agression à base de. Moi je pense que ça va être du Hélion et puis du Banshee. Alors qu'en face, on part sur un truc qui m'a l'air tout à fait standard. Après, il a l'air de vouloir planquer une petite probe. Là. Ou alors il check les proxys. Ouais, il check les proxys. Là, il y a le starport qui devrait être enclenché chez Dex, là. Il a la thune, la facto vient de se finir. C'est passé au port, côté Protoss. Oui. Il a coupé les gaz, là. Ouais. Il n'en a gardé que 2. Donc du coup c'est peut-être un... Je comprends pas pourquoi il prend autant de gaz en early en fait. C'est bizarre. Hein. Alors là il a 150. C'est genre... Parce qu'en vrai là il a sacrifié pas mal le déco des minerais au début. Ouais c'est ça, son starport il est late. Hein. Ça fait un moment qu'il pouvait le lancer. C'est un peu ballot. C'est un peu ballot cette affaire. Ah, son BO il est pas très bien limé. Parce que ça fait 2 fois qu'en early il a trop de gaz. En fait il va refaire la même. Hein. Sauf que là, il reprend les gaz. Je comprends pas trop sa récolte pour un cachet. Mais... Il était obligé de lancer un. Non, c'était pas un dépôt du ciel, c'était une mule, tout va bien. 2 adeptes cette fois. Pas de stalker. Je pense que. Par contre, Stargate contre Drop Mine,
Ça peut hard shot down, hein. Tu fais des phoenix. Après, avec l'oracle, peut-être pas. Mais là, s'il sort du phoenix, il peut hard shot down. Là. Ah, il a pris la probe. Mais il est vachement late, son CCB2 quand même. Hein. Ah, dommage, le cyclone qui n'avait plus de PV. Je suis pas fan de son opener à Dext, hein. C'est pas. Ah, la micro qui est pas très bonne, il aurait pu pick up une probe en plus. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas fan de son opener, genre. Ah d'accord, Cyclone quand même, t'avais raison. D'accord. Ah par contre là, il est pas prêt pour l'oracle. Il est pas en position. Ah, C'est un peu c'est ballot. pas Il va trop prendre cher. grave. Il l'a vu en tout cas. Ça prend du temps de minerai en fait. Ça prend du temps de minage. La mine, elle est où? Elle est où la mine? Il y a T'avais pas une de mine. mine, papy, tu l'as mise où? Elle est là, elle est dans le gaz, Ah ouais, elle est d'accord. bien cachée. Ouais, mais le problème c'est que ça cover pas du tout le minerai. Aïe 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 aïe. Si propre déjà. Looks like one one. Regarde la B2, la B2, la B2. Focus. La B2 du Protoss. Là, il est pas dessus. Avec une seule mine. Ah. Oh oui, il a bien paqué ses probes en plus, parfait. Oh, bah heureusement parce que sinon c'était vraiment la merde Ça, c'était pas mal. pour Dext. On a un autre oracle là qui va arriver, ça va en faire 3, ça va Ah, rien que faire le café du coup. 3! Oh là là. Déjà 3 oracles hein, contre 7 marines, un Oh, cyclone. il a un cyclone, il a cette marine. Après, il y en a un qui est low life. Il peut peut-être pick up l'oracle low life là. Ah non, il a target le mauvais. Et Ah, la il vie de target le merde. cyclone là. Après là, Oh, en vrai, il l'a il prend un complètement oracle, regardé. ça c'est huge. Ça fait Ouais. plus de 2 oracles, dont un vachement low life. La mine, elle va peut-être retaper. Il est où le medivac? Je crois Il est qu'il l'a là. perdu. Ah, Ouais. Ah, ça il sent l'a le F2, baqué. tiens. Ça sent le Oh. F2. Ça, c'est du F2 move, les Ah bah enfoirados. ça y retourne hein. Ah, le deuxième oracle qui se fait pick Ah up. bah Ça, lui c'est aussi il huge. a fait un F2. Pas mal. Ouais. Un F2 chacun. Balle au centre. Là, faut poser B3, hein, Dex, je pense. À 400 de minerai. Hein. Non non il va pêcher. Et un push avec du tank, il a buté 2 oracles, pourquoi pas. Là L'autre, il a pas il y aura encore que de son crépu. l'aérien, il n'y a pas de sol. Ah si Il il n'y a va pas de faire full marine, crépu. Il n'y a full pas de slot. crépu, donc les unités gateway seront nazes. Là, le petit drop mini va peut-être faire encore un peu de kill. Ce serait pas mal. Parce que là, pour l'instant, il y a quand même 15 probes d'avance hein, pour le Protoss, donc il Là il faut va être faire du focus sur dégât, quoi. ses oracles. J'espère que le drop mine va Alors, bien passer. la mine, combien de kills? Combien, Alors combien, hop. combien? Oh ça va être pas mal Oh, ça. beaucoup. Oh, beaucoup. 4. 4, c'est pas mal. Oh déception. 4, c'est pas mal, hein. Ça fait 30 à 40, mais il y a des mules. Je Donc m'attendais à c'est beaucoup encore plus. un peu en faveur des Protoss, mais plus tant que ça. C'est presque ok. Ah, Il y a ça pas mal va. d'armées, hein. Il y a pas mal d'armées pour Dext, hein. Ça va faire 10 props de moins juste avec cette mine. Ouais, cette mine, elle a fait 10 kills. Après là, le plus 1, il veut quand même sans doute dire que il a pas visé à tuer tout de suite, quoi. Après, je pense qu'il faut qu'il tue. Voilà, le Phoenix pour shutdown. Normal. Ah, elle est bien. Oh, dommage. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Après, là, il voit qu'il y a B3, donc il sait qu'il est obligé de cross, là. Il n'y a pas le choix. Fais attention au supply, Dext. Il n'a pas le Steam, Il hein. l'a anticipé. Il va lancer un timing Steam bouclier, mais j'ai bien peur que ce soit un peu tard, hein. La Ouais, charge est en sans train d'être steam avec recherchée 3 oracles, et. un phénix. Ouais, Non, je 2 pense que oracles. ça va être compliqué, là. Je pense que là, notre ami Proto s'y s'est mis très très bien. Parce que 38 probes, Ah, ça change c'est des pas deep beaucoup. pop Hein. de diff par rapport à la gamme d'avant là. La race Oracle a fait le taf. S'il perd le Raven, c'est vraiment une vie de merde. Ah ouais. Bon, ça Oh va. là là, Il et a ça pas perdu le continue. Raven. Faudra le repair par contre. Ah, ça par contre, c'est pas mal. La mine qui bute Enfin! l'oracle, Il c'est va... pas Ça mal. veut Hein. Il dire n'y a qu'il n'y plus aura pas de d'oracle pour stase. venir foutre le sbub. Mais par contre, Mais il y il a est énormément vraiment de maxi zélotes all-in, là. hein. Il est maxi all-in, hein. Là, il y a 2 bases et rien d'autre. Hein. Là, il y a 3 fois plus de zélotes que par rapport à la game d'avant. Ça va être Ouais, il y dur a 13 à. zélotes là. Hein. Les 13 zélotes, ils me font un peu flipper. Mais après, il n'y a pas d'immortel. Hein. Y a pas Donc, d'immortel. il y a plus d'oracle. Hein. Il y a un phénix pour lifter un tank, éventuellement. Va falloir bien micro, bien gérer la Mais on a vu macro. qu'en vrai, la micro des unités de la Stargate, c'est pas incroyable hein, chez Il le passe Protoss. sur Archonte également. Ouais, par contre, ça peut. Ouais, il fait. Elle fait peur cette armée Ouais, Protoss, il y a beaucoup de il zélotes. l'a Hein. vu. Il y a 17 zélotes. Hein. 17 zélotes et la Storm arrive dans 20 secondes. Hein. Il a 25 secondes.
Ah, ça c'est terrible, le feedback il est énorme. Attends, mais il est placé où le... Ici Ah, fait. ah ouais, d'accord. Ah non, tu t'es trompé là, Dext. Ah, mais là, en fait, faudrait dropper dans la main. Ouais, là il doit faire un gros doom drop dans la main Parce et que... provoquer un Non, c'est double bon, il flush, a je le pense. steam. Après, le problème c'est que s'il fait ça, il laisse ses tanks vachement exposés Ah, en mais là, fait. faut backer. Pas le choix. C'est pas fou, hein. On a des maraudeurs qui Là, tapent c'est sur du bon, zélote, il hein. est C'est parti en un pas. clic, là. Je pense que ça Allez. va être compliqué de passer, Allez, hein. faut dépop les zélotes. Ouais, un par un. Voilà. Attention. La bonne dodge de la storm, par contre. Ouais, il n'y a plus de storm là. Là, il n'y a plus de storm. Et ça, c'est assez incroyable. Mais par contre, tous les marines sont dans Mais la l'orange. super batterie, La elle batte est full. va. Le Allez. problème, c'est que la Dext, il était maxi all-in. Quand tu me diras, il a 45 drones Ouais. à 60 probes. Bah, il a dû reproduire l'ensemble de ses probes, hein. Bon, VCS. Mais il a perdu les deux tanks. Je pense là, il faut vraiment dropper la main, hein. Il y a 14 probes à aller chercher là. Ah ouais, même il peut faire double Ça front, pose double hein. Il n'y a fort. pas d'aérien, il peut pas intercepter ses drops. L'avantage, c'est que là, au zap, il est pas trop mal. Ça, en vrai, c'est un bon trade. Allez, va dans la main, va dans la main. Voilà, c'est bien. Laisse les Regarde la maraudeurs main là, derrière, parfait. est-ce qu'il est en train de téléporter? Voilà. Il y a beaucoup de Là, il zélotes. dépose 6 zélotes, mais 6 zélotes, ça va pas fight tout ça. Donc, il va pouvoir les pick-up. Et en vrai, là, il pourrait ouvrir un double fond sur la B3 avec l'armée qu'il a à gauche. Il faut que je les S'il pick forge. up les forges, c'est pas mal. Une Il en forge. pick up une, c'est pas mal du tout. Vas-y, fais quelque chose avec ça, là, s'il te plaît. Et ça. Déjà poste un P3, ce serait pas mal. Oh, les Ouh. storms. Oh, allez, prends-les, 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 c'est En gratuit. vrai, il a eu de la chance, c'était le medivac le plus vide, entre guillemets. Et pick up l'Archon. Les stalkers, Les let's go. stalkers. Putain, par contre, il lui met des trades dans la tête, Putain, mais il lui heureusement met. qu'il avait ce maraudeur. Heureusement qu'il prend des bons trades, surtout. Ouais. Parce que en vrai, il récolte moins depuis tout à l'heure, mais il prend des bien meilleurs trades. Donc au final, ça va se stabiliser et lui, il va partir sur du 2-2 contre juste un de défense. Hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. S'il a réussi à casser la forge, là, il faut qu'il voit que ça crosse. Mais en vrai, il a plus d'armée. Hein. Enfin, il n'a pas vraiment plus d'armée, mais son armée, elle fait plus peur. Par contre, il faut qu'il voit. Parce que là, il va. Ah, oh, il est complètement out of pause. Ça, c'est mauvaise nouvelle, ça. Ça, c'est bad beat. Les deux petits adeptes, peut-être qu'ils vont faire du dégât. Il y a un moyen s'il les voit pas tout de suite. Et tape dans du gaz. Ah, prends la fight principale. Ah, c'est pas mal, ça pick up un archon. Peut-être. Il a le concussive. Hein, s'il tape avec. Ah, dommage. Il aurait pu aller chercher l'archon avec un Par maraudeur, là, contre, c'est un là, peu ils ont ballot. fait mal, hein. Un petit run by tout simple. Run by de 4 zélotes là qui pourrait faire un peu de dégâts, mais pas de Oh, il chance. va être Il va rencontrer intercepté. l'ensemble de l'armée. Ballot. Ah, ils vont se croiser? Même Oh, c'est incroyable. pas! Oh là Non, c'est bon, là. il l'a Attends, il vu. l'a vu. Mais je suis pas sûr que deux marines à maraudeur, ça bute 4 Non, mais il zélotes. les Hein. emmène dans les mines. Oui, mais même. Là, Ouais, d'accord, par contre, là, il y a beaucoup. Il va casser la B4. Et je vois pas comment le Protoss la tient vu qu'il est out of pause. Ah, le warp, Allez! quoi. Hop! Oh, il a fait Allez, le temps de. clique le Nexus, vas-y, 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 clique le Nexus, voilà, parfait. Ça, c'est huge. Ça, c'est énorme, ça. En vrai, il y Alors, a zéro 2-2. up hein, pour le Protoss. Il va l'avoir dans une minute. Il est maxi bien, la Dext. 42 pop d'avance, il balance les libés, ça, j'aime beaucoup. Va falloir bien gérer les storms par contre. Ouais, mais on a bien vu, hein, là, tout de suite, il a balancé une Storm, le Protoss, elle a complètement whiff. Hein. Là, il faut qu'il fasse des dépôts, voilà, parfait, il en fait 3. Et puis, en vrai, si t'as trop de pop, il y a un moment où, bah. 16 zélotes contre 40 marines, 22 maraudeurs, ça va pas le faire en fait. Même avec des bonnes storms. Surtout qu'il y a 4 hops d'avance. Hein. Enfin 3 du coup. Il a posé une deuxième 50 forge, il a pop fini par d'avance maintenant. arriver. Mais deux Vas-y, storms et hop, t'as plus de marines. recasse la B4 et pose la tienne. T'as 200 de pop là, tranquille. Ah, le missile shredder, il est Oh, énorme. pas Enfin, mal, mais non, il est sur les pas énorme en stalkers. fait. Il y a combien de storms? Il y en a une par acheter, il y a 6 5, achetées. hein. Il y a 6 storms là, du coup, 6. Il y en a moins une, donc 5. Feedback, c'est pas mal. On voit que Et ça il est aide obligé deux de pas backer de parce toute qu'il y a des façon, hein. petits. Avec Après, en le vrai, il peut storm. entamer une transi libérateur, hein. Ben, Il ce qui. a toutes les thunes du monde. Hein. Ouais, s'il a mis des photons. Il n'y aura pas de double front. En vrai, il y a les double fronts, hein, je pense. Alors, Dext, c'est pas un joueur de Ghost. Non, mais Il a pas encore libérateur, hein. transité.
Là, il fait des libés, hein. C'est bien, hein. Libé contre ce qu'il y a en face, il n'y a pas beaucoup de stalkers. Hein. Par contre, là, il va être out of pause. Ça, c'est dommage. Bon, que Oh, c'est pas Julian trop grave, Mercer. il aura le temps de venir. Et de Bah, poser la non, il va pas PF. avoir le temps, hein, à perdre beaucoup, là. Et là, Oh, les ouais, mines! les mines. Oh, les Oh mines! là là. Il a Bon petit dépopé split en dernière complètement. seconde. Il va sauver le Par contre, maximum de ça, c'est un peu VCS ballot. et transiter sur la En B3. vrai, il perd Mais 5 et là, les storms, il 6, est c'est tout pas stacké. grand-chose, mais c'est du temps de minage. Les storms sont bonnes. Les mines vont pas tarder à recharger. Hein. Il a même pas de vision. Les mines vont recharger. Hein. Les mines vont recharger, elles vont taper dans les HT. S'il reste là, il perd les HT. Hein. Bah là, au pire, faudrait le prendre en sandwich, il a assez de pop. Oui, genre, il met ça au sud. Et... Les mines. Oh. Dans les HT, Oh, quelle parfait. déception! Apparemment, une mine, ça one-shot pas un HT, faut croire. Allez, Dext. T'as beaucoup plus d'armées là, faut go. Après, en Ouais, vrai, faut il a go. plus de probes. Hein. C'est le petit drop là, il bute cette probe. Il casse la B4 Attends, c'était peut-être. un drop ou c'était une petite escouade lancée comme Un ça? run by, c'est un run by, mais. Ouais, run by. Allez, faut mettre la presse là. Ouais, Par ça contre, là, tu vois colosse des assez colosses. late, hein. Quoi? Les colosses, il les a fait vachement late. Ouais, mais il les fait deux par deux, donc ça va quand même max assez vite. Là, il devrait faire la grosse EMP s'il fait des ghosts. Ce serait pas mal. Il a les sous en plus. Il y a le 3-3 qui va arriver. En vrai, sur le 3-3, il devrait avoir un maxi timing. S'il fait des vikings, là. Rajoute des vikings et puis il va lui casser la bouche, en fait. C'est juste ballot, il n'a pas la grosse EMP. Ni le cloak. Ça, c'est un peu ballot. Ok, Ouais, il gagne du le temps, hein, le libé. Protoss. En vrai, c'est pas Et mal ça de la marche part bien. du Protoss. Hein. Enfin, tu me diras, ça lui coûte un prisme pour rien. Non, le prisme est pas Non, mort. non, il est C'est encore 3 vivant. zélotes. Bon. Il pourra refaire des En plus vrai, il belles pourrait aller le après. chasser avec le viking. Dès que Il le n'a pas beaucoup Protoss, de. Il n'a il va pas de se marque mettre à contrôle. faire une attaque sur la P3 ou B4. C'est juste ballot. Bah, Dex, il va pouvoir voir P pas il mal de devrait zélotes. mettre une. Il devrait mettre une tour de vision là et une tour de vision ici et il serait tranquille quoi. Par contre Alors là en vrai là, il a. Oh! Non il est à la il n'y a queue pas leu-leu, c'est d'acheter, hein. dégueulasse. C'est nul comme fight, c'est nul comme fight. Il n'y a pas Il est à d'acheter. la queue leu-leu. Ah, Les merde. HT ils sont tous là. Ils Hein. sont là. Il y a 4 colosses et beaucoup d'HT. Hein. Moi j'ai pas trop confiance dans cette fight. Hein. C'est juste avant le 3-3 en plus. Allez, Là il faut le faut qu'il choper, là. temporise 5 Allez, les secondes. ghosts. Au pré-split, faux split et Je sais puis pas à s'il a mourir. l'upgrade des ghosts, par contre. Ah, là il a le 3-3, là c'est bon. Non il a pas la grosse. Ouais. Non, suicide pas tes ghosts. Bon en vrai les EMP étaient grosses. Dommage il a pas eu les HT Ah, c'est mais. tendu, hein. Ça compte. Tout compte Il sur a les trop de storms et bio en fait. les ghosts. Hop. En vrai Première là la storm. concave elle est Ok. massive. Ouais. Hein. La concave est massive mais faut Ah, faire gaffe mais au bah. storm. Fais gaffe là. En vrai c'est pas mal ça comme trade. Hein. Il a pick-up un colosse, il a fait Mais planque les mines, utiliser il n'y a des pas de storms. vision en plus, profites-en. En vrai, il devrait. Alors, le run by, il est pas dégueu par contre. Deux Le mines. run by de Zelot, il est très bien. Il est Première bien mine. pensé. Il va faire Il passe mal. pas dans la deuxième. Le run by de Zelot, il est. Bah, note, il fait pas si mal du coup. Enfin, il prend du temps de minage quoi. C'est toujours pareil. Ouais, toujours. Oh, Ah, les pas. mines, les mines, les mines, les mines, les mines. Non, pas dans la probe. Non, Dext. Oh, mais il avait emmené Probe. des probes. Ouais, c'est chelou comme move, mais why not en soi? S'il avait fait l'invisibilité, Allez, il aurait y a pu un double attraper tous prisme là. les De ouf. templars. Hein. De ouf, de ouf. Par contre, là, il y a un double drop, Je enfin, un suis double déception. prisme en bas. La Il faut tellement concave. qu'il transit là. Allez, le pilote, le pilote, le pilote. Hop, oh, bah, il le Ah, garde le pour la slow fin. warp, ça met 1000 ans. Mais Oh, ouais. c'est incroyable. Bah, c'est Il a GG. rassemblé tous les observateurs d'un coup. Il lui a décalqué sa pop. 3-3 contre 2-1. Pas plus poubelle. Allez, là tu F2 à move, il a plus rien, mec. Il y a 1500 000 d'armée, t'as 6000, 2000. Let's go. Allez, papy! Tu peux le faire! Allez, il y a juste un clic à faire. Oh merde, deux storms. Il y a deux HT là. Ils ont... Oh, il snipe! Oh, plus qu'un Oh. HT. Ça, c'est énorme, ça. C'est huge. Po po Il y a po. deux HT encore. Quel micro Où est le légendaire. troisième HT? Il est où le troisième HT? Ah, il y a des disrupts. Mais Dext, transis Sky, s'il te plaît. Fais des libés. Eh non. Pas de B5. Alors là, vraiment, hein, il rajoute deux starports et il fait des libérateurs et c'est gagné. Hein. Là, il y a beaucoup de vikings, mais il n'y a plus de colosses en fait. Après, il peut les poser. Hein. Donc là, mais que le Plus de gars en colosse, face, bah, ça peut il gagne marcher. du Hein. temps, mais Ouais, mais il gagne du temps pour rien en fait. il s'attend à Genre, une il va erreur bouffard. du terrain, hein.
simplement. Non, Là, il il est aura juste l'économie parti pour en... revenir, simplement. Ouais, mais le problème c'est qu'il est sur 4 bases et le Terran sur 6 en fait. S'il le dépop Donc sur si un Dext... mauvais move. Mais vraiment Dext là faut qu'il transit, hein. Comme ça il s'assure la victoire en fait. Alorin qui dit ah tu fous la gerbe. Et Tu comment cliques ça? de partout. Bah, il y a un moment s'il est pas capable de suivre, Ah, il faut je lui suivre. dis. Le Tyrone Bay là il est fort. Regarde en bas à gauche. Après c'est une Là, il y a du PF, ça peut move. repair. C'est Là, pas je reprends la mal. cam. Il force une storm pour seulement quelques HP sur des maraudeurs, c'est pas mal hein. Une mine, quelques HP, ça se prend hein. Le Tyrone Oh Bay, là ce qui repère, là il repère pas. Mais en là. même Ouais, c'est temps, bon, il il en a éclate marre. la bouche. Il a oversteam, il a oversteam, il a oversteam. C'est pas Bon, c'est pas grave. grave. Un petit freeze. Je crois que c'est gagné, les Bon, ça amis, hein. c'est des pop, hein. Il y a pas mal de celotes. Par contre, ça va des pop tout ça là, je pense. Ouais, mais il casse le Nexus. Il s'en fout, il a 5000, 3000, donc. Là, faut juste qu'il prod des unités et puis c'est gagné, hein. Celle-là elle est bonne. Ah. Parce que là, le Protoss, il a plus du tout d'écho, donc. Le cloque, S'il s'il te n'oublie pas de prod plaît. des units. Upgrade là. Regarde, t'as la thune. Allez, repair à la PF, repair. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, il suicide des archons, c'est Hop, nickel. hop, hop. Ça Ah, il en reste c'est. dead. C'est bon, c'est free win, hein. Ouais. Enfin, free win, c'est gagné. C'est gagné. C'était pas free win. Repair tes vikings. Et pose-les, hein. Et puis prod, 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 prod. Allez, t'as 3000, 3000. Fais plus que cette unité à la fois, s'il te plaît. Là, il a plus d'économie, il a rien. Le Tos, il a plus rien, hein. Il a 30 probes, hein, c'est fini. Faut juste que Dex utilise sa banque et puis. Ah voilà, il fait des libés 4 par 4, ça c'est ce que je voulais voir. GG timing! Le problème c'est que là il veut run by sur la B4, mais s'il repère, je suis même pas sûr qu'il y ait de quoi buter la B4. Bon. La PF qui va. S'il met un libé ou deux. Oh, c'est bon, Dex, il Bon a bah une banque voilà. de Jésus. Ça force le recall. Par contre, Mais quoi? recall de 4 unités, c'est pas incroyable. Hein. Ah ouais, grosse erreur là. Bah, c'est pas grosse Surtout erreur de s'il a manquer mis les. Scuder quoi. Putain, par contre, les storms elles étaient énormes. Non. Heureusement Ah qu'il les a pas ouais. sortis Non, mais. plus tôt, mais. Si, Ah! s'il avait recall les Il a posé un Templars, il aurait BataDT. pu storm le tas. Hein. Il a posé un BataDT dans le loot. Oh là! C'est quoi cette bouboule là? What the fuck? Tu as vu ce qu'elle a fait avec la bouboule? Et ouais. Incroyable. Allez, casse le Il n'y avait pas BataDT, assez de c'est le place seul pour truc passer qui peut par là. rentrer, casse les couilles. Voilà, il n'y aura pas de DT, pas d'embrouille. Let's go! Next! Dex qui 2R. Voilà, ça dodge la bouboule, parfait. Hop, prends plus sur la tête. Oh, ça rage quitte! Ah, carrément, GGS. Rage quitte! Mais non. N'y a pas eu de GG! Fais voir le temps de supply block là. Oh là là, Dex, le meilleur! Ravitaillement efficace, 2 minutes 38. Po po po. Joué papy. Oh la fight elle était. Protoss il a pris une fight dégueulasse. Ça c'est vrai. La suite. Rip contre Prime. Toujours Il y du a combien TVP. de. Il y a combien de petits matchs comme ça là ce soir? Qu'est-ce que. Il y en a 3. 3 matchs 3. BO2 en tout. Allez. C'est sport. Pilar. Allez, on n'a pas le temps là. Let's go, let's go. Ça part. Tiens, hop. Dans Allez, la game. je vais couper le son, le temps de transiter sur la prochaine cam.
Go! Donc voilà! Ce qui part. On part sur le deuxième BO de la soirée. AW RIP contre AEX Prime. On a donc un Terran 5K2 contre un Protoss 5K. Eh oui. Mais j'ai rapidement checké les win rates. Le Terran n'a que 33% de win rate contre Protoss. Ah. Là où le Protoss a 50 contre Terran. Ce qui n'est pas extrêmement rassurant. Mais on verra bien. Et te repasser la cam, mets-toi au milieu de la carte. Très bien. Let's go. On est au milieu. C'est bon. C'est bon. En bas à gauche, pour l'écurie AEX Gaming, nous avons le joueur Protoss. Il a déjà 12 probes au minerai. Il s'agit de Prime. Et en haut à droite, pour AW, aussi appelé Angel Wings, nous avons le Terran Orange, qui est en train de construire un supplice dépôt. Il s'agit de RIP, qui poutre les gamins. Let's go! Alors, so far, ça m'a l'air assez standard. Rax Gaz, plutôt macro du coup, pas comme notre ami Terran qui a joué précédemment. Qui faisait des gaz d'abord. Et qui du coup avait pas énormément d'écho. Mais ça lui a réussi. Donc, next. Alors, Zimony. RIP, je pense qu'il va faire un timing push ultra agressif. Pourquoi À donc? base Qu'est-ce qui te de fait penser ça? Marines, Tank et de Banshee, tu vas voir. Pourquoi Banshee? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ah, ça vole le gaz. C'est son BO anti-Protoss. D'accord. Tu connais un peu l'animal, très bien. Ouais. Pendant ce temps-là, Je l'ai déjà Protoss, vu il a deux fois. visiblement Je pense qu'il va le comme refaire. proxy quelque chose. Protoss, il a tout l'air d'avoir prévu un petit proxy là, n'est-ce pas? Avec cette petite probe cachée, voilà, un Ah, pilon. il fait une B2. Ça sent le sale. Est-ce qu'on penserait à du DT peut-être, ou une proxy Stargate peut-être? Qu'est-ce que t'en penses? La proxy Stargate, ça t'inspire? J'ai Un l'impression que petit ça va être double ça. robot, ça peut être sympa. Ah, attends, est-ce qu'il... Ah, pas de chance, il va scouter les proxys, mais pas de bol. C'était un peu Mais plus en bas à c'était... gauche. Ouais. Alors là, quand t'es Ballon. Terran, tu vas pas scouter là. Mais j'ai l'impression qu'il va... Oh! Ouais, Le double coup, robot. mais mec, t'es dans le futur. T'as vu? T'es dans le futur. Il lâche proxy double robot peut-être, et boum, proxy double robot, mec. Incroyable. Par contre, il y a déjà un bunker qui se Parce qu'elle est construit. géniale Donc, du cette coup, carte il pour dropper alors. l'a scouté, Avec le tu vois, RIP, prisme, tu te pour fais savoir plaisir. que c'est... RIP, il a rien scouté pour savoir que c'est apparemment du proxy, mais il a l'air d'être au courant. Je sais pas trop comment, mais bon, tant mieux. Alors, sans le deuxième gaz, ça va être Par contre, compliqué. le Reaper là, il va se mettre bien. Bah, faut C'est qu'il ait le dommage qu'il tape dans micro les par gaz. contre, hein. Faut pas. Ah, c'est Ah, il y dommage, a il a déjà un tapé dans les adepte. gaz. Il a tapé dans Voilà. les gaz. Il aurait pu buter deux probes, mais il a tapé. Par contre, il faut à tout prix qu'il voit le pylône et qu'il va construire des shield batteries. Ça, c'est très important. Il le verra pas. Non, je pense pas. Ouais. Ce qui serait top, c'est Après, il va avoir un qu'il a vu qu'il n'y avait pas de B2. Il faut cyclone. absolument qu'il scoute partout en fait. Mais là, c'est ballot parce que vraiment la shield batterie, il pourrait l'empêcher quoi. Parce qu'une fois que la shield batterie va être construite, je pense que ça va être compliqué. Ah, là, il va tomber sur le proxy. Il va tomber sur la probe, mais pas de chance, elle est dans les fourrés. Attends, là il va le voir. Double emo. Double limo, c'est. Mais là, il doit se douter qu'il va y avoir des shield batterie en bas de sa B2. Alors, c'est obvious. Voilà, parfait. Ça, c'est bien ça. Vas-y, sors. Sors les marines et Sort. bute-le, s'il te plaît. S'il te plaît, bute-le avec les marines. Non. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, c'est là. Voilà, Ah, ça c'est par contre, nickel, tu gagnes du temps, tu gagnes du faut temps. buter la probe Let's go, là, let's go, let's go. absolument. Faut la buter. Ouais, la probe c'est important. Il y en a une deuxième après Avant un peu qu'elle plus pose quoi loin que ce si. soit. Oh oui, ah non! Non, bute-la! Bute là, attends! Ah non, Oh mon il a trollé. dieu! Il a trollé. Ça c'est très mauvaise nouvelle ça. Ah, ça, c'est le move de la game quoi. Ouais. Ah, c'est terrible. Attends, mais avec Après le là en vrai, il cyclone, a il pas peut la focus vision hein. sur le high ground, hein. Il peut encore l'empêcher de poser des batteries shield. Putain, c'est tellement ballot, la probe à 3 HP. Eh oui! Non, fallait. Ah, le pylône. Le pylône, c'est pas mal. Ah, Hein. mais ouais. Le pylône, c'est pas mal du tout. Hein. En vrai, là, il sort un tank. Moi, Ah, j'aurais mais plus peut-être t'écartes préféré les un batteries deuxième mid shield, mieux c'est cyclone. pour le terrain, non? Oh, il bute la probe? Non. Non. Oui, bien sûr. Plus t'écartes les batteries Il a shield, plus tu pumpé gagnes. l'emo là. Et il est supply block. Le Tos, il est supply block et il fait pas de pylône. Ça peut être énorme. Par contre, un tank. Ouais, le tank, je suis pas fan. C'est pas la meilleure idée.
Répare le bunker, ça c'est incroyable. Le repère du bunker il est énorme. Là il faut. Non, on fait pas des addons, fait des marines, mec. Alors là, il reste full immo, hein. Et y a aucune transition pour le Protoss. Bah si, il est en train de faire un truc pour faire des destruits, justement. Ah bah. Target la batterie shield qui a déjà plus d'énergie. Je sais pas si c'est. On aurait peut-être préféré target le prisme. Et la baie de soutien robotique hein, qui est lancée. Mais là, franchement, il est pas mal. Hein. Il récolte plus. Il a en vrai une meilleure armée. Il y a deux robots qui sont à poil. Hein. Si ça dure, il peut aller. Là, il faudrait qu'il fasse le steam. Ce qui serait top, ce serait là, surtout un viking. Ouais, le viking, ça buterait la game, mais il a pas encore le starport. Et je pense pas qu'il puisse vraiment aller le chercher. Je pense que c'est un peu greedy comme call. Le combat shield, je sais pas. Les tanks, je suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse en fait. Je me demande si un. Ah, le cyclone il est à la recherche de la probe peut-être. Ah, attends, s'il a le pylône, ça serait pas mal. Oh, il va casser le pylône. Oh, s'il casse le pylône, c'est énorme. Après, je crois pas que ça. Mais il bat le pylône, le prisme là, il aura pas le temps de buter le pylône. Non, il va perdre le cyclone. Il va perdre le cyclone. En 3 hits. Ah, ça c'est mauvais ça. C'est fini. Ça c'est très mauvais. Après, ça se tentait, mais. C'était un peu greedy quoi. Ah, ah, il est à fond sur son. Le Reaper. Le Reaper, oh, c'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Attends, il a encore l'adepte ou pas? 3 probes, 4 probes. Non, l'adepte il est plus là. Bah, il est où? Bah, il est mort. Je sais pas comment, mais il est mort. Ah ouais. Ça c'est une scène, hein. Il a forcé le prisme à revenir. Hein. Ouais, ouais, ouais. T'as pas envie de rentrer ton prisme pour un putain de faucheur. Ça c'est la game, hein, je pense. Allez, s'il te plaît, garde ton faucheur, ce serait suprême. Ça commence à sentir. Il fait le warp gate. Pour un proxy robot, je suis pas incroyablement fan, mais soit. Les disrues, en vrai, je suis pas fan non plus. Parce que... Toujours pas. Bah, en réalité, c'est pas un zerg, quoi. Tu vas taper dans des dépôts si tu tapes d'en bas, et si tu le mets dans le prisme il peut se faire shutdown. Je trouve pas ça incroyable. Tu sais, il fait un libérateur, il a gagné. Hein. Mais un viking. Ah non, un libé. Il bloque toutes les coups. Non, mais un viking. Tu butes le prisme. Et il fait plus rien. En vrai, il y a ça, mais il a deux robots, il peut en reproduire des prismes. Hein. Oui, mais c'est pas grave, tu les butes à la chaîne. Tu fais des vikings, tu les mets au-dessus du. Tu butes le premier prisme et puis tu mets tes vikings au-dessus des robots et c'est réglé. Là, le Protoss il va bourrer, hein. Il va le mettre supply block. Il va bourrer, mais il pose B2. Après, ouais, il a fait un stalker à la maison. Ouais. Et il a quand même 10 props de moins, hein, c'est beaucoup. Hey, alors, il peut essayer de poser B2, mais s'il perd ça là, en fait, il va cross et il va le buter, quoi. Alors maintenant, il y a le steam, hein, le prisme, il peut tomber très vite. Hein. Il fait deux ops à la fois, avec quel sac à foutre. Il va avoir une vue complète sur le terrain, là. Alors, sortie, attention. La sortie avec tout, je suis pas incroyablement fan. Le pylône va lui dire directement ce qui va se passer. Après, ouais. Là, il sort... Oh, attends, ça peut... s'il dodge bien les disrues, ça peut très bien se passer. S'il dodge pas les disrues, ça va être un carnage. Il dodge pas. Ah, il dodge. Ça va, so far c'est good. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Oh, oh là, il a perdu beaucoup. Après, là, il prend les disrues. Il prend les disrues. Ouais, oh, il a. Ouf, il a buté tout juste à temps. Oh, de justesse. Oh, il lui a claqué le cul. Par contre, reproduis les marines, s'il te plaît. Produit. Oh là là. Allez, ça c'est mon rip ça. Allez boum. Next. Oh là là. La surprise. Une miss micro de disrupteur là, ça fait la gamme. Bah en vrai il a fait une bonne disrupt, hein. Mais il y en a eu une quoi. Il y en a eu que deux lancés. Enfin non, la troisième a été empêchée. Ouais, la troisième, elle a failli passer. Hein. Ouais. Il y a eu un peu de chance en vrai. Genre, c'est passé tout juste. Attends, on est bien parti là, 3-0. Ouais, 3-0 là, c'est ça là. Alors, prochaine, c'est marine. En plus, il a pas eu de chance sur le scout. Hein. Il est passé juste à côté. Hein. Donc, du gros. Après, en vrai, je pense qu'il le bat sur. Le delay des battery shields qui fait qu'il peut jamais monter avec le prisme. Alors il a jamais pu monter dans la main, hein. Il a jamais attaqué le terrain. Faut toujours t'inviter. Ouais. Mais t'es là pourquoi? Il a jamais eu l'occasion en fait de dropper dans la main. Ouais. C'est surtout ça. Donc Prime versus Rip.
On est bon. Alors c'est bon. Est-ce que les joueurs sont prêts? Ils sont prêts. C'est reparti. Go! Allez Rip! Défonce-le! C'est Tipa! Là en game 1 tu lui as montré ce qui est le patron. Il te fait un cheese archi all-in que t'as pas vu. Tu le tiens comme Jaja. Bon. Hein? Allez. Là c'est le moment là. Tu viens lui marteler la tête. Allez, scotte bien. Défends-toi bien. Mets tout. En haut à gauche. En terrain bleu. Pour l'écurie. AW. Il s'agit de Rip. Tu veux faire la présentation? Allez, en bas à droite. Pour la team Phoenix. Nous avons Prime, joueur Protoss. Qu'est-ce qu'il nous fait? Dans la propre de scout. Normal. Je t'en donne la cam. Allez, let's go. En vrai, le... la défense de Rip, elle était pas dégueu. Hein. Ah, j'ai plus de cam. Ok, gateway à la maison, tout va bien. Ah si. Qui va nous faire une petite max pax là? C'est sympa ça. Il aurait peut-être dû sortir une deuxième propre pour ça. J'ai un taquiné un peu le SCV, jusque là c'est du normal. Et là il a fait gaz rax. Il a pas fait rax gaz comme à la partie d'avant Rip. Je pense que c'est un peu plus safe. Parce que du coup t'as plus vite ta technologie. A priori. En tant qu'expert TVP, je me permets de me prononcer. Comment? Et il va avoir les sous pour le CC bientôt. Ça pose un Nexus en face. Il arrive un peu tôt, hein, 300 de minerai, mon petit monsieur. Il en faut 400 pour un Nexus. Eh oui, faut savoir ce genre de choses quand on est 5K. Il sort deuxième probe. Pourquoi donc? Il fait des trucs bizarres un peu, le monsieur Prime. Hein. Nexus et le CC qui sont posés en même temps. C'est pas mal, pas mal, pas mal du tout, tout ça. Pas encore grand chose, hein. C'est un début de partie, tout est tranquille. Le deuxième pylône dans la main, c'est un peu étonnant. On aura peut-être vu un au niveau de la B2 pour éventuellement un petit voir. On va voir. Oh là, il a pris ses deux gaz. Avec le Reaper, il va direct checker les proxys. Hein. Il est pas oui, oui. Mais par contre, il y a une B2 ça, cette fois-ci. De la game 1. Et pas de chance, le proxy il est de l'autre côté. Ou alors il va. Il va scouter, mais je pense qu'il va proxy avec cette probe. Hein. Sinon, pourquoi il a, ça... la. Pour la mettre aussi loin, ça sent le DT quand même. Ouais, ça sent le proxy DT, effectivement. Pour cacher ce bâtiment qui permet parfois de gagner la game sur un effet de surprise absolument total. Ouais, voilà, c'est parti. Le pilon qui va être proposé. Ah! Peut-être pas d'été du coup, vu qu'il l'a rapproché. Ah, c'est nous. Mec, il va tomber sur le pylône, incroyable. Regarde, le Reaper qui scoot. Oh la chatte à Mireille. Alors, t'es content de ton proxy du con? Et c'était effectivement un proxy d'été, hein, vu qu'il a fait le conseil crépus là. 100% ça portait proxy d'été. Par contre, faut casser le pylône, mon ami. Bon, il va envoyer les marines peut-être. En charger, il faut le casser le proxy quand même, hein, le petit pylône. Rip, mais pas le tronc, bute le pylône. Bon, après, en vrai, il veut aller scouter, je comprends. Il voit que ça recherche. Est-ce qu'il a vu le conseil robotique? Mon Dieu, le conseil robot. La scène. Quelle la scène? Alors c'était AW Radio, bienvenue. On passe à la télé. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Tu sabotes. Ouais, j'ai été contacté pour l'autre clan war et puis il y a eu une couille. Il fallait que je regarde. Tu sabotes, Zephyr. Ah ouais. Ah là, il produit un Raven, c'est pas mal. Si jamais il y a du DT d'ambiancer, il sera au courant. Enfin, il pourra les voir surtout.
Ah, alors, bah, okay, sur Voilà. pas, il part sur quoi là? Ah, Il je y a pas pense de qu'il est drop mid oméga en tout bien là cas. le bon Reaper. Je pense qu'il est Ouais. oméga bien là, il part sur un timing push avec du tank et du marine quoi. Ouais. Un bon petit classique. Ah, comme la gamme de Dext, hein. Bah ouais. Mais sauf que genre en plus il y a eu un proxy avorté. Ouais, Il part ouais, Colosse alors qu'il y a déjà un Raven qui va commencer à cumuler de l'énergie, donc des matrices. Tout ça m'a l'air d'Asmettre honnêtement. Hein. au niveau upgrade, ça va être quoi? Pour l'instant, il n'y a pas grand chose comme upgrade. Il y a le steam et la charge qui sont en train de. Il a pas encore lancé hein, son plus 1. Il n'a pas les sous. Il n'a pas le gaz pour l'instant. Ah, c'est Mais chaud de les lancer. voilà, faut y aller. Faut y aller. Faut mettre le plus 1. Voilà, parfait. Ok. Il a de quoi faire un Nexus depuis un petit moment, l'ami Protoss. Mais un petit premier colosse qui est ambiancé, mais pas de thermolance. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. La thermolance, c'est quand même important. Un skip, c'est pas mal. Ah bah. Est-ce qu'il peut pick up l'ops avec le Raven? Ce serait pas mal. Non, voilà, s'il te plaît. RIP. RIP, MDR. Alors, est-ce que ça outspeed un ops? La réponse est oui. Il perd l'ops, Eh c'est oui. pas mal. À peu près Mais tout quel outspeed micro? out un ops, hein, faut le savoir. L'ops, l'unité la plus lente du jeu. Après, peut-être. Bon, alors il part ouais, logiquement maintenant. Une fois arrivé, il aura le steam. Il va cancel la P2, Il y a un la petit P3. zélote. Pourquoi on veut. Ouais, Deux il veut zélotes prendre pour du map run-by. control. Il veut prendre. Non, c'est du map control. C'est juste des marqueurs pour voir les Des B3. marqueurs à coup de Quand est-ce que zélotes? ça sort? Ça coûte cher, hein. Bah oui. Bah non. C'est Autant envoyer normal. une sonde, hein. Non, non, c'est normal. T'envoies des zélotes en marqueur en Protoss. C'est normal. Des zélotes ou des pylônes, ça dépend un peu. C'est normal, c'est En early normal. game, c'est tendu. C'est plus cher la sonde parce que oui, elle coûte 50, mais elle te ramène du minerai aussi. Donc, plus cher la prendre. Là, il y avait du supply block, notre ami Protoss, et il n'y a aucun pylône en construction. Hein. Il est à 85 sur 86, et il vient de lancer le pylône. Dommage, son colosse va se finir, donc il pourra pas faire de colosse. En plus, il a un chrono boost. Là, il perd 10 secondes de chrono boost sur du colosse. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne petite erreur de macro. La On va pas thermolance dire qui non. va se Pourquoi il envoie terminer. 3 SCV? Qu'est-ce qu'il fait avec ses 3 SCV là? C'est Oh. quoi l'histoire? C'est fou. Il a trop de VCS. Non. 7 minutes Alors, de il en jeu. a un peu plus que le Ouais, Protoss, mais c'est fait mais. exprès en plus, il est split. Bah, je crois que. Je sais pas, mec. Ah ouais, c'est pour avoir une vision d'ensemble. Ouais, je comprends pas trop le bail, mais soit. Genre, si c'était avec l'armée, je pourrais comprendre pour réparer les tanks, pour poser des bunkers, éventuellement des Ouais, pour tourelles. vérifier s'il n'y a pas un runback qui traîne quelque part. Mais ça, Attends, j'avoue que attends, j'ai pas attends. trop compris. Focus-toi là. Oh, il se passe quelque chose. Ben là, il va attaquer la B3, hein. Il va la casser, je pense. Hein. Je vois pas Attends, il y a trop. combien? Ah. Il y a deux colosses, mais il a Ouais, assez de deux matrices colosses. pour deux colosses. Hein. Ouais, il Donc peut les matricer voilà. les deux, c'est pas Il mal. n'y a plus de B3. Il n'y a plus de B3, il y a plus de SCV pour le terrain que de probe. Et la B3 est en train de se finir. Ça m'a l'air d'être un GG. Hein. Enfin, en tout cas, il est très bien. On va voir si. Allez, hop. Voilà, une matrice, deux matrices, let's go. Oh, il a raté la matrice, il a mis deux matrices sur le même. Ça, c'est Ah là fait. là là. Oh, il se baigne dans la storm. Oh, Ah la horrible storm. mort. Oh, la Oh. fight, elle est dégueulasse. Oh, par contre, Allez, le hop hop. Toss, il a un move. Ouais. Le Toss, il a un move, sa gateway. Du coup, C'est il a bon, il a tendu le plus de boom de ses zélotes et il y en a colosses. 6 qui vont revenir. Il a Faudrait tendu focus le boom de son colosse. le colosse là. Non, Perd non, là, pas faut le rentrer à la temps. maison. Oh là Ah, là, faut là, rentrer ce à la maison. backup. Oh, il est Faut rentrer à la parfait. maison. Alors, en vrai, ils ont tous les deux pris une fight dégueulasse. Genre, RIP, il Et. Ouais. a double matrice, le même colosse. Et il a pas siégé ses tanks à temps. Et Mais. l'autre, il a move sa gate. Du coup, bah, ses colosses se sont retrouvés au fond de son armée, quoi. Ce qui est pas incroyable. Généralement, tu Et les c'est veux pris douche plutôt froide, hein. derrière. Après, il s'est pris des gros storms. Hein. Là, en vrai, il devrait transi, enfin, faire des vikings. Je pense. Parce que notre ami Protoss, enfin, notre ami ennemi, on va dire. Hein. Il a continué de faire des colosses, mais il fait plus de storm, donc les Vikings ils vont calmer tout ça. Il a plus Pour le de moment, RIP, storm hein, il est du tout, bien. je Hein. crois. Hein. Ouais, il est méga bien. Hein. Il a Ah, il finit en le vrai là le petit 1. drop. Hein. Le Le drop il peut Ghost, faire mal. il Ah l'a dommage, ambiancé. il va être. Par contre, il y a zéro upgrade pour le Protoss, hein, c'est surtout Le ça. drop, il est vu. Et il est 1-1 contre 0-0. Hein. Il est vu, mais est-ce qu'il est vu, tu vois? C'est toujours pareil. Ouais, c'est ça. Le SCV qui est repéré. Ah, il est en hold position. En vrai, là, les Templars ils vont avoir 3 Storms. S'il dodge bien 3 Storms, il a gagné. S'il dodge pas 3 Storms, il a perdu. Ça va être.
plus ou moins. Après, il y a beaucoup de maraudeurs. Mais il n'y a que 8 zélotes, hein, donc en vrai, c'est pas 8 zélotes qui vont tout tuer. 5 templars. Hein. Ouais, mais la storm contre maraudeur, c'est moins fort que contre marine. Par contre, contre il aura du double drop. Il le double drop, j'aime pas d'armée là. Le double drop, c'est le pire call. Bah. Ça, c'est très mauvais ça. Parce qu'en plus, il en a un là-haut là. Il en a un en haut et. Oh non. Ah, c'est la pire situation. Oh, Riptus Pro. Là, Rip, il faut qu'il save tout, qu'il mette ses RP sur la B1 et qu'il fasse le plus de dégâts possible. Bute le colosse, bute le colosse, voilà, parfait. Ça, c'est... Il a buté un des deux colosses. Là, il faut qu'il active, là. Il faut qu'il active le double drop vite. Hein? Vite dans la main. Ouais, mais le problème, c'est que dans la B. Ouais. Non, mais je vois. Mort, hein. Je crois que c'est mort le double drop. Non, non, c'est bon, là. Il peut faire autant beaucoup de dégâts ici. Hein. D'accord. Mais ah merde, le premier drop, il, c'est que dalle. Il aurait dû récupérer au moins ses marines. Je crois que c'est mort hein, parce qu'il tiendra jamais à la maison. Pas de libé. Le double drop il est beaucoup trop ambitieux en fait. Surtout si t'en as déjà un. Après ça force les warps à la maison, mais le truc c'est que ses rally points ils sont pas bons donc il perd ses unités au compte. Bah en fait là il peut perdre toute son économie le Protoss. Et en fait il s'en fout parce qu'il a 1500 en 1000 et il a une plus grosse armée donc. Après les mules hein, c'est important. Ah il a buté le colosse, ça c'est assez énorme. S'il arrive à buter les archons, faut target les archons par contre. Faut target les archons. Ah non, il a passé. Donc il a passé. Défoncer les cibles. Après, il a encore CCC. Ouais, mais l'autre il a trop de sous en fait. Il a 1200 000 quoi. Donc à un moment il va rewarp et ça va être terminé quoi. Même s'il perd ah, tout faut son se mettre écho, hors de portée de la batterie shield là sur la B2. Ouais, mais là je pense qu'il gère dans la même. Ah, ça casse tout. Le problème c'est que là l'autre il a. Ils ont une pop. Il a un peu moins de pop. Et l'autre il a 1000 de thunes donc. Ah, il l'a pas pris. Il aurait pas dû double drop en fait, il aurait. Enfin bon après il savait pas où était la gate. Allez on renvoie les mules. Voyons ce que ça dit. Non c'est mort, c'est mort. Allez. Ça va faire un partout. Le double drop c'était trop ambitieux. Sans savoir où était l'armée du Protoss, c'était trop. Ouais. Et pourtant il a envoyé des VCS pour justement récupérer toute l'info. Moins que les mules ne me donnent tort mais. J'ai quand même un petit doute. Parce qu'il y a quand même 29 sondes à 16. Je pense que c'est compromis. Là, je pense qu'il faut envoyer plus de medivac. Il faut le faire, faut lui faire des droites gauche là. Non, parce que là, il reprod. Il y a combien? Il a 30 ouvriers. Il faut F10C. Hein. C'est pas assez. Hein. Là, c'est GG timing. T'as deux archons, il y a beaucoup de storm bientôt. Genre, il y en aura bientôt 4 d'ici 3 secondes. C'est mort. Il y a beaucoup de marines, mais contre l'armée en face, ça va rien faire. Il va y avoir deux colosses, quatre storms, deux archons. À moins que vraiment il storme sa propre armée. Et là, il va dans la pire direction. Non, franchement, ça va. Ça, justement, c'est ok. Hein. S'ils se croisent, c'est pas mal. 5. Il a pas le blink. Hein. Ça va être une mauvaise fight. Hein. Ça va être une très mauvaise là, fight. Il peut prendre tous les. Faut prendre les rewards, ah, faut tous les prendre. Mais par contre, essayer de réduire le plus de dégâts possible. Il a pris il a cassé le prisme. Il a cassé le prisme et un archon, ça c'est énorme. Oh mec, il est en train de lui faire l'amour. Sans préliminaire, comme dirait. Oh là là. Oh la deuxième storm. Ah, c'est crade ce que tu dis. Oh, elle a fait si mal. Les dernières storms ont fait si mal. Après, il a réduit considérablement le nombre de probes. Il continue à dropper là. Il va falloir tenir. Non, bah non, là il faut tenir à la maison. Bah... Et il a un corbeau qui a pas encore assez pour une matrice. Et il y a deux. Là, faut qu'il drop sur la B2. Mais... Là... Non, là il faut. Il faut que le gars s'endorme en face, mais je vois pas trop d'autres. S'il fait rien avec sa pop en plein milieu de la map, ça peut le faire. Là, hein. Il a rétabli le compte d'ouvrier, donc il est largement devant en économie. Ouais, oui, à l'écho, il est loin devant maintenant. Mais, par contre, il faudrait du maraudeur. Ouais, bah il est pop 3x3 là. Hein. Ouais. Putain, mais il est revenu dans cette game. Et oui. C'est vraiment broken terrain. Comment? En vrai, là, il a tir dans la main. Peut-être il casse le Nexus. Il casse le pylône. C'est énorme. What? Et les deux petits marines là qui vont faire le taf, peut-être. Allez. Deux probes. Allez, rentre à la maison. Non, pas de ce deux côté. Probes. C'est le pire endroit. Deux probes encore, hein. Mais vu qu'il y en a 24, c'est pas mal. Ok, hein. Il fait double drop. Ah non, en il fait. Pique pas un colosse. Il pique le colosse. Non. Il a non. Mais après, tout ça, c'est du temps de minage, hein, aussi. Il s'appelle pas spécial, hein. Y'a que spécial. Surtout en vrai, il y avait la batterie shield donc il a ouais. DPS.
Avec ça, c'est un peu Mais là, ça. en vrai, il a fait un gros travail. Hein. Parce que Ouais. l'autre, il avait 1000-1000. Hein. Il avait 1000-1000 avec un peu plus de pop. Maintenant, il a plus de banque et il est à moins de pop. Ah, C'est c'est ça, incroyable hein. ce qu'il nous propose. Il a dû repop pas mal de zélotes hein, pour contrer ses drops de Marines. Dans la V3 encore, c'est incroyable. Oh là, il re... Oui, vas-y, champion! Hop. Cours-le! Là, tu drops dans la main, hein. Il y a juste un zélote et un stalker. La Hein. yek de base. Merci beaucoup. Et il a oublié de miner. On est bien. Là, ça mine plus. Là, ça mine encore un peu. Regarde. Et là, ça mine plus. Hein. Par contre, Putain, il a l'armée dû avoir 1000 proto, pop. ça dit quoi? Bah, il a En vrai, trois il colosses, doit hein. faire des libérateurs peut-être. Après, il a pas le range, il y a 6 stalkers. Il n'y a pas d'upgrade hein, sur le Protoss. En fait, juste des maraudeurs. Juste des maraudeurs. Full maraudeur. Là, il va. Oh, c'est parfait. Il a eu un peu de chance. Il arrive pile au moment où le proto sort. Ouais. Oh. Il a piqué pour faire un peu de prod. Les stalkers qui ont pas le blink. Pick up des stalkers. Il pick up des stalkers, c'est génial. Parce que maintenant, il n'y a plus de stalkers. Et Hein. le S'il back. fait quelques libés, s'il fait des libés au lieu de faire des. Après, les vikings, ça marche aussi contre Colosse, mais. Les libés, je pense, c'est la safe. Mais après, ça ouvre le Non fait mais il va que le s'il MP sur prend. les templars, il va lui à clic hein. Par contre, lancer le 2-2, je trouve c'est un peu ambitieux. Surtout qu'il a sans doute vu que l'autre est 0-0. Là, en vrai, il faut drop la B2, je dirais. Non, en vrai, tu regroupes tout à la maison et tu prends une bonne fight, quoi. Là, il a assez pour deux matrices. Il y a deux colosses, trois colosses. Donc, il y a un colosse qui va pouvoir taper, mais il y a quatre vikings. Enfin, ça, c'est s'il fait des bonnes matrices. Parce qu'il peut très bien se faire feedback. Oh là là, c'est dangereux. Allez, S'il gagne contrôle-moi cette ça. fight, c'est gagné. Ah, la mine, elle fait Fais-le mal, hein. correctement. Elle a buté deux zélotes. La mine, elle a fait son travail. Aïe. Non, le MP, il est mauvais. Le MP, il est Il est sur un mauvais, mais concentré. s'il peut attraper le prisme, ce serait pas mal. Ouais, s'il attrape le prisme, c'est pas dégueu non Mais il y a plus. pas d'anti à rien. Bah, il y a deux stalkers, quoi. Je pense qu'il peut sacrifier la B3, hein. Il a activé le run by de Marine là sur la B3, mais il va se faire Ah, catcher. mais il y a un archon et deux stalkers à l'arrivée, d'accord. Oh là Il là a là là matrice, là. les colosses. Ouais, C'est bon, ça c'est passe, bon. cours lui dessus, Allez, on cours lui clean. dessus! Plie! Oui! 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 Ça c'est mon rip, voilà! Boum! Tabou! Alors, rip, 2-0. Regarde, tu bang GG. bang 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 dans sa maman. Boum. Oh là là. Incroyable, ça mourit! Allez là, boum! Il casse la ouf! Oh putain, parce qu'à un moment il avait full win, hein, le Protoss. Le gars, il a 1200 000, il a plus d'armée, il a une armée plus qualitative et il perd! Le rip. Il a démoli. 3 double drop. Insane. Ah, le comeback, Insane. il avait pas assez en fait dans son push. Mais il a surtout pas attrapé les CC. Il avait pas assez de Stalker. C'est ça qui a joué pour Rip, Bah moi je dirais largement. c'est surtout qu'il a mal défendu les drops derrière. S'il défendait pas mal les drops, il gagnait. Hein. Le prochain, Novo, il est là. Oui, il est là. Novo? Ah, j'ai joué avec lui ce matin. C'est un Protoss. Alors, il a une bonne Robotissime. micro, il a juste un petit problème de macro. Ouais. Ça en rappelle quelqu'un. Je ne vise personne. Quoi? Non, je ne connais pas cette personne. Il a des bons drops disrupteurs et il a une micro prisme stalker pas dégueu. Putain, il m'attendait les types. T'auras juste pas trop perdre. Il joue contre qui? Contre Unknown? Unknown, Unknown, ça dit quoi? unknown. Unknown, c'est 4k6, hein, il peut aller le chercher. Un Zerg 4k6. Il C'est a un joué avec zerg. moi ce matin. Let's go! Au secours. A demandé 100 000 d'order, please. Ça sent le teaser, ça. T'inquiète pas, ce matin je l'ai fait practice contre le 12 pool, le Novo.
Tranquille. Casse-lui la bouche. Lenovo, ah Lenovo, ah Lenovo, poutre-le. Novo. Est-ce que tu veux faire les présentations cette fois-ci? Allez, je pense à la scène. Hein? Je vais prendre celui de gauche. Vas-y, je prendrai celui de droite alors, tu commences. Allez, on est parti pour ce troisième BO2 qui va opposer donc Novo, Protoss en haut à gauche. Pour la team et Angel en face, Wings. À toi. Pour la team Ajax, nous allons voir un joueur Zerg de grand talent, 4k6, ça me rappelle quelqu'un. Unknown, qui effectivement n'est pas connu de nos services. Il se la joue agent secret, il demande à ce qu'on n'affiche pas les historiques. Quelque chose à cacher peut-être. So far so good, il fait un 16 hatch a priori. Un 16, ouais. Nouveau standard. Nouveau qui fait un BO plus ou moins legit. Ouais. Pas de prise de gaz pour le moment. D'accord, so far so good. Jusque là c'est normal je crois. Ça m'a l'air standard. Côté Zerg en tout cas c'est standard. Ça je peux vous le confirmer, n'est-ce pas? Ah. C'est toi qui as la cam ou c'est moi mon ami? C'est moi pour le moment. Okay. Je vais bientôt te la passer. Pour l'instant, so far, so good. Il fait qu'un canon rush, j'aime bien. Ta cam, elle est où là? Sur le Zerg. Ok. Il fait que le canon rush, et le Zerg réagit zéro. Je vais repasser. Genre, ça a l'air. Perso, moi je vois un canon rush comme ça, je réagis, mais bon, soit. Aucune réaction. Très bien, très bien. Zéro. Hein. Moi perso, je vois un pylône dans mon vrai, j'ai envie de pull 12 probes. Et puis après je perds et je me demande pourquoi. Et comment alors, gagner un Zerg? Tu fais un vrai photon rush, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Parce que alors, par à contre, force de se faire brain. On pose le Nexus avant le cyber normalement il me semble. Ouais. Donc du coup, c'est un peu étonnant ça. Ça sous-entend selon moi une volonté d'agression. Ce qui va nous faire une volonté de macro game. Ah bah non justement. D'agression vu qu'il fait le corps avant le... Ah, j'ai mal entendu. Normalement l'Overlord arrive, le Nexus est presque fini et le Cyber aussi. Là le Cyber était déjà fini. Et tu vois, il met un petit pylône, je l'avais dit. Il veut agresser, c'était cool. Proxy Stargate, hop là, allez. C'était sûr. C'était sûr, ça j'aime bien mon Novo, let's go. Tu lui mets l'agression dans la bouche, tu viens et tu lui mets la patate. Let's go. Farm Gate. Une agression, oui, voilà, sentir passer, tu vas voir. Il va pas l'avoir la Stargate parce qu'il va scouter la main. Priori, qui penserait envoyer son over à cet endroit? Mais aussi. Perso, j'en vois pas un over ici. Donc pour l'instant, j'aime bien. Après, il peut se douter au vu du late Nexus qu'il va se passer quelque chose. Mais il fait pas l'overspeed. Et il commence à avoir beaucoup de sous, notre ami Zerg. 600 thunes à 35 de pop. Macro, c'est overrated. Il y a de quoi poser B3, B4, mais pas de problème. Un peu du caca hein, sur sa macro. Mais il fait beaucoup de zergling. Evolving Sludge. Mais après, il a 3 drones qui se touchent. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est joli et ça. Il y a moyen que Novo peut le voir avec son oracle, peut-être. S'il sort à temps. S'il le voit, il rajoute des battery shields. Ah non, le crépus est le pire call. Le crépus, ça a pas du. Oh, d'accord. Les drones, je crois que c'est pour forcer le wall. Ouais, c'est ça. Il veut forcer le wall. Oh, oh, il faut à tout prix qu'il wall avec un bâtiment, sinon c'est mort. C'est vrai? Et pourquoi? Ouais. Parce que en gros, les drones permettent de forcer le wall. C'est-à-dire de faire parce bouger en gros, en fait il le zélote. Mineral trick. Oh oui, il a mis le pylône, c'est parfait. C'est oh. Parfait, c'est ce que je te disais. Parce qu'en gros, sinon le Zerg il peut mineral trick à travers ton mur. Par contre, il a perdu ouais. L'oracle, ça c'est très très grave. Au moins, il a fait un peu là, de dégâts. Là, c'est une partie de Sim City qui va s'engager. Et je pense que ça va pas être gagnant pour Novo, malheureusement. Non. Je pense que c'est une défaite qui s'annonce là.
Parce que la perte de l'oracle en fait. Ouais, il aurait fallu un Void Ray en fait en défense. Non, 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 l'oracle c'était assez, mais en fait le problème c'est Oh, que mais t'as vu la l'envoyer chez flop le Zerg Etherling quand là? tu vois qu'il n'y a pas de drone. Ouais, mais. Ah, mais What faut the fuck? défendre! T'as vu le bug des drones, mec? Non, mais le Void Ray il bute pas les Zerglings justement, mais par contre l'oracle il a un très très gros DPS sur les Zerglings. Après là en vrai, il y a 43 bas 15, hein, donc tant qu'il. Enfin, il peut se permettre de perdre des prods, mais le problème c'est qu'il a aucun moyen de prod à part une Stargate qui est à l'autre bout de la map. Et il a pas le DPS de toute manière. Il a l'oracle. Ouais, mais il y a combien de Zerglings? Il y a 70 Mais Zerglings, oui, what je te the fuck? dis. Là en fait, le problème c'est le Conseil Crépus, je pense. Parce que c'est un bâtiment qui ne sert à rien dans la défense de ce genre de build. Ouais. Là où, bah, par exemple, ouais. Renvoie Le du GG. problème là, c'est. Il s'est fait double counter BO, entre guillemets. Genre, Ouais. la Stargate, si elle était à la maison, ça aurait été beaucoup plus pratique. S'il aurait eu le deuxième oracle direct à la maison. Et le Conseil Crépus, c'est le pire bâtiment de tech contre ce genre de truc. Parce que tu mets un Immortel dans le wall, tu mets plus d'unités de la Stargate, ça marche. Tu mets plus d'unités de Gateway, ça marche. Mais le Conseil Crépus, il sert à rien dans ce genre de cas. Et puis le fait de mettre la Stargate en proxy, c'est un bâtiment moins pour le wall, quoi. Non, parce que tu la mets pas dans le wall, quoi qu'il arrive. Mais Ah bon? enfin, normalement, tu la mets pas dans le wall. Mais c'est surtout qu'en gros, le deuxième oracle, il est arrivé trop tard. Le wall était déjà cassé. Il a bien anticipé En fait, l'oracle, en tout cas. c'est surtout la perte du premier oracle. La perte du premier oracle lui coûte la game parce qu'en gros, s'il l'a à la maison, si t'as deux oracles pour défendre ça, ça fait beaucoup de Zergling, mais ça peut peut-être se discuter. Mais là, c'était pas possible. Ah, on a une petite victoire contre Dairy. On mène 1-0 C'est pour le qui moment. Dairy? C'est qui Dairy? Dairy, c'est une équipe française. D'accord. On les a latés Non, pas sur encore. l'équipe 3. Ça a commencé là. Ils font le deuxième match. Ah, allez. J'avais Il y a un complètement lobby. zappé. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire en game 2, le monsieur Unknown? Alors, Qu'est-ce qu'il nous prépare, notre inconnu? la game n'est pas encore lancée. Qu'est-ce qui nous attend? Ah, sur cette carte, on peut avoir tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est super pour les proxys. Jaganata, c'est fort pour Zerg. Hein. Ouais, il a bien tiré Faut faire l'historique. attention à ça. C'est très très fort pour Zerg. C'est une énorme map. Il y a beaucoup de grands espaces. Tu peux prendre des très bonnes fights. Après, notre ami Unknown, il a pas l'air d'être très conventionnel. Donc. Ce genre de. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a des cordes plus macro à son arc, mais en tant que cheeseur, tu préfères les petites maps généralement. Après, s'il joue macro, Jaganata c'est très très fort pour Zerg parce que Transition. bah, la map est énorme donc tu as le temps de voir venir. Tu as beaucoup de grands espaces ici, là, 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 là. Donc voilà. En haut à Ah, il y droite, en a partout. En haut à nous avons droite. donc un joueur bleu, une race chère à mon cœur, en tant que Zerg. Il s'agit d'Unknown. Et en bas à droite, pour l'équipe Angel Wings, nous avons Novo. Protoss rouge. Race moins chère à mon cœur, Ouais. Elle est pas mais dans le c'est un cœur de tout le copain, monde. donc Hein. c'est pas grave, on lui pardonne. Faut faire des propres, par contre, Novo, s'il te plaît. Pas raté déjà 4 secondes sur le BO. Papy! Alors, par contre, on note Unknown. Moi, quand je vois sa non-réaction sur un fake canon rush, moi, game 2, je le canon rush. Hein. Je réfléchis pas. Ah oui? Après, je sais pas si Novo sait canon rush. Bah en tout Mais cas, t'as vu comme il a pas réagi sur il la a game 1? pas quand. Moi, si c'est dans mes cordes, game 2, j'hésite pas. Hein. Je le canon Ouais, rush. mais ça va pas partir sans un Instant. canon rush là. Non, là il canon rush pas. Et je dis ce que moi j'aurais fait. Après, je sais pas si Novo c'est canon rush. Non, arrête de faire des cyber avant le. C'est contre Terran les cyber avant Nexus, mon ami. Regarde là, tu vois bien que t'as 400 de minerai, c'est pour une raison. C'est parce qu'il faut poser un Nexus. Oh.
Aïe 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 aïe. Novo, faut revoir tes BO. Faut revoir les bases. Fais attention, Novo. Bon, en vrai, ça se fait. La game passée, ça faisait plus ou moins sens vu qu'il voulait faire une proxy Stargate. Du coup, il voulait un peu l'accélérer. Apparemment, il est bien parti sur un proxy. Note, ceci dit. Ouais, parce que contre Zerg, tu scoutes pas les bâtiments à proxy, a priori. Alors, Zerg, je veux pas scouter les proxy. Bah, Zerg, généralement, tu proxies une chose, c'est une hatch, mais ouais. Disons que c'est pas aussi loin que ça. Ah, mais scouter les proxy, par contre, ça vous le faites en pas. En tant que Zerg, tu scoutes les proxy, mais contre Zerg, tu vas pas scouter des proxy. Ouais. Bien d'accord, ça n'a aucun sens. Bon. Il est temps. Allez, vas-y, mon. Oh. Mon Novo. J'avais peur. Il était supply. Défonce-le. Ouais, mais en vrai, le pilon est sorti assez vite. Où alors vont ces airlings? Ah, il scoute tout là. Ouais, mais il fait non. Aussi un peu de bruit. Juste aux alentours. Ouais. Alors. Après, il a pas encore posé le pylône, hein, donc là, seul truc qu'il aurait à scouter, c'est une probe. Ouais, il le rapproche. Allez, là, il faut faire attention. Bien compter le nombre de drones, Novo. Tu fais pas la bêtise de la game passée. Tu regardes bien ce qui se passe. Il n'y a pas encore de B3 hein, pour le Zerg, c'est assez late. Ouais, il va partir sur macro game. C'est un fast T2. Hein. J'ai l'impression. C'est un fast T2. Hein. Un fast T2 qui est proposé par notre ami. Alors, je comprends ni le fast cyber, ni la probe. Il fait un glaive adaptive build, je pense. Peut-être. En tout cas, il essaye. Parce que là, il faudra avoir déjà envoyé le. Le conseil crébu, t'as le gaz depuis un moment, papy. Non, la batterie shield en blind, ça c'est. Bah, ta roche là, posé. Par contre, pour le coup, je sais pas s'il l'a scouté, le bon Novo. Mais s'il l'a pas scouté, c'est parfait. La robot, c'est pas mal. Hein. Eh, contre, vu comme il accumule le gaz, ça va être un Nidus Roach. Nidus Roach. Voilà, il est là le Nidus. Il a pas la vision sur le nord. Sur... Ouais, il va l'avoir. Bon. Il pose un pilon, c'est parfait. Farnimo, c'est un supplé. Ok, parfait. Il a plus de propres qu'il y a de drones. Hein. Donc pour l'instant, il est très 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 bien. Si le Nidus passe pas, c'est gagné. Il est all-in, hein, le Zerg là. Il faut qu'il fasse des unités, Novo. Mais là, je vois pas où est-ce qu'il pourrait poser. Enfin, s'il est attentif face à minimap, il gagne. A priori. Alors, il y a combien? Il y a 3 queens, 4 queens. Une autre en prod. Ouais, mais là. En fait, si l'Imo sort, l'Imo est pas à temps, il fallait chrono Stimo. Là, tu l'as vu. Ça c'est terrible. Réaction. Terrible, il a réagi, il a réagi. L'Imo est trop tard. Bon. Ouais, mais l'Imo est trop tard. C'est l'Imo qui apporte le DPS. L'Imo il met des bastos là-dessus. C'est un peu tard. J'espère que ça va passer. Ouais, je crois que ça passe. Ah, pas. Ça passe, bon. Ça passe. C'est bon. Hop. Deuxième, juste en il face est obligé de la B2. Le mettre en dehors. Là, il a mis des batteries shield. Il a deux batteries shield devant chez lui, ça c'est parfait. Là, tu cancels le prisme et tu fais un autre Imo hein, pour moi, je pense. Après le prisme il va permettre d'aller buter les over en high ground éventuellement. Et il veut pas le prendre ça. Je suis pas fan de Nimo dans la B2. Il y a beaucoup quand même. Non, sors pas, tu dois rester dans tes batteries shield. Oh, c'est le pire move. Oh là là. Reste dans tes batteries shield. Ouais, il est trop agressif là. Ouais, il essaie trop. Là, si le Zerg il est malin, il met un Nidus dans la B1, mais il a pas l'air très malin. Envoie Nimo. Non, reste dans tes batteries shield, qu'est-ce que tu fous? Fais un Nimo. Bah, il aimerait choper en fait ce verre du Nidus. Ouais, mais il le chopera pas encore, là mais c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'il veut là, faire faut aller, Ah, il s'il veut aller faire de la micro-prisme. Ouais. La vision. Il a tapé son prisme. Oh là là. Alors là, faut pas micro-prisme, ouais, là, couilles, là. Il faut faire un immortel. Là, ce qui compte, c'est la production d'immortel. Hein, ouf. Oh là là là. Produis-moi un autre Imo, je t'en supplie. Imo. Un Imo et des sentries. Imo. T'as beaucoup de gaz, fais des sentries. Voilà, Imo, voilà boost, ça c'est bien. Hop. Ça c'est bien, récupère ta. Tu peux perdre le wall, c'est pas trop grave. Mais par contre, fais un deuxième pylône. Encore 3 gates dans la main. Fais un deuxième pylône parce que s'il le focus, t'es mort. Ouais, le deuxième pylône, ce sera un bon call. Le cyber, en vrai, c'est pas très grave. Ça le pousse à faire des élotes. Les élotes, c'est pas mal contre les ravageurs. Après, il a pas la charge, mais ça fait des bons sacs à PV pour que les quand même pas mal de queen là pour encaisser tout le bordel. Franchement, s'il prend pas trop des builds vénères, il est archi bien. Alors, le prisme. Faut faire gaffe. Hein. On va voir s'il met des bonnes transfus. En vrai, heureusement qu'il a pas mis un Nidus dans la main depuis tout à l'heure. Hein, parce que là, il met un Nidus, il force au moins un Imo à y aller. Mais il a pas l'air de vouloir faire du multitask. Il a pas l'air de vouloir macro non plus. Allez, si cette gate elle pouvait fournir un dernier cycle de warp, ce serait. La bête soutien robotique, j'aime pas le call.
Là, faut faire des unités, là, faut pas chercher de la tech. Fais-moi un autre IMO, allez. Après, c'est plutôt pour les colosses hein, qui veut faire ça. C'est moi un autre IMO. Ouais, mais non, c'est pas de la tech qu'il faut là, c'est de l'armée. Alors, batterie shield en moi là. Produit un IMO. Allez, t'as souvent des. T'as souvent le. Allez, bon, le complexe robot, il produit pas assez. Ok, tout va bien, il y a bien Dodge. Allez, produit avec ton complexe robot, je t'en supplie. C'est des trucs. Oh, il le pick up, c'est bien. Il macro pas, il macro allez, pas. Allez, t'as le DPS, une queen, deux queens, trois queens. Il allez. Macro pas. Non, pas encore. Il la transfuse. Il macro pas. Allez, micro, là, s'il il était micro, en train de macro, il aurait gagné, mais il macro pas. Depuis tout à l'heure, il construit rien, il a 1100, 500. La baie de soutien est terminée, il va pouvoir niquer le Didus. Oui, d'accord. Derrière, il y a 44 ouvriers. Ah. Il a pas macro, tu par vois. Par contre, là, prends ton prisme là avec les deux imos. Non. Allez, réagis, oh, réagis, réagis. T'en supplie, voilà. S'il te plaît. Non. Il a posé une. Mais non, il l'a pas vu, il l'a pas vu. Non, Novo. Novo, t'as trop. Novo, t'avais gagné, il a même pas le road speed. Ah, c'est bon, il a pas tout sorti, c'est en juste vrai, c'est pas trop grave. Genre, il a perdu deux probes, mais c'est du temps de minage surtout. Ouais, ouais. Que là, pendant le temps, ouais, il a rien replacé. Ouais, parfait. Allez. J'aime pas du tout le proxy Nexus. Je trouve ça nul. Mais ouais. Genre, c'est pourri. Faut pas faire ça. Ah, le Stalker, j'aime bien par contre. Ça ce qui serait bien, ce serait. Ouais, bah, un petit observateur, là, s'il te plaît. Là, il faudrait qu'il fasse un crépus en fait. Un il conseil crépusculaire et let's go quoi. Et je suis aveugle. Après, en vrai, il y a autant de probes que de drones. Hein. So far, il a plus d'armée en Novo. Ouais, il est largement devant là. Est-ce qu'il a même surtout le speedling que la pop armée. Il a même pas le speedling. Pas le speedling hein. Il a même pas le speedling, le gars en face. Hein. Le Zerg, il a pas le speedling. Il va en pas vrai, faire, là, hein. Ce qu'il doit faire, c'est juste. Non, il a toutes ses probes qui minent pas sur la. Pourquoi tu fais ça? Il ricole là. Pourquoi tu ricoles? Mais non, mais non, ça tu le fais quand t'as trop de probes sur ta B2. Pas quand, genre. Parce que là, si jamais il passe à côté, t'as perdu en fait. Non, mais il ira pas, hein. Parce ah, que là, c'était semi-all-in. Par contre, non, il va le découvrir non, dans truc, 2 minutes. Non, hein. Non, mais le truc, c'est que genre. Ça tu le fais quand t'as. Genre, tu mets, je sais pas, 25 probes sur ta B2. Et une fois que t'as les 25 probes sur ta B2, là t'envoies le proxy Nexus. Genre t'envoies 8... Enfin je sais pas. Ouais c'est vrai, il y a un paquet de probes qui... Je comprends pas pourquoi ouais, il a bien saturé en tout probes, cas. En fait. Alors il y a une forge, il pourrait faire un plus 1. Alors il a des bonnes disruptions. Il fait ça pas mal. J'ai remarqué ça ce matin, on a joué un peu à deux. Ça c'est ballsy, hein. Il y a trop de queens, il faut qu'il recule un peu. En vrai il devrait aller dans la main et... Il a bien analysé le truc. Hein. Il faut vraiment qu'il fasse un crépusculaire et qu'il fasse la charge. Fais un crépus et fais la charge. Oh le prisme, comme il a eu chaud. Il fait la mauvaise aïe. Compo d'armée. Il fait la pire compo d'armée et il prend la pire fight. Oh non... Novo, non, non, pourquoi non. T'as fait ça? Recall, recall, tu peux pas. Il peut pas là. C'est trop tard. Mais si, il peut sur la B1 ou la B2. Ouais mais il aura en fait il va perdre oh, trop de oh, oh, oh la belle distru oh, là, là. La deuxième. T'avais dit qu'il avait des bonnes distru hein. Oh la deuxième distru. Oh là là. Oh le jackpot. Oh d'accord vous avez pas perdu monsieur. Mais rajoute plein de gates. Fais moi la charge. Chie du zélote je t'en supplie. Oh 2500 là, c'est tout ce que la macro là, c'est tout ce que t'as à faire. Fais des gates. Fais des zélotes. Fais la charge. Novo le Crésus hein. Fais des zélotes, je t'en supplie. Bon, déjà, tu rajoutes une gate, ça c'est pas mal. Mais arrête les sentry et les stalkers. Fais des zélotes. Zélote archon immortel et boum, tu lui claques le cul, c'est parti. Bon, après, en vrai, là, il a B4 contre B3. Hein, en réalité, ça faut le voir. Mais s'il fait pas les bonnes unités, ça va rien faire. Hein. Et il fait rien avec son conseil. Un son petit colosse, hein, en plus, ça aurait été pas mal. Un ou deux colosses avec encore rien Thermolance. Avec son complexe robotique, ça me fout la gueule. Au moins, il dépense un peu sa thune là pour. Ouais, c'est déjà ça. C'est quoi, après, le Lurker, c'est repos, fort, hein. Il va enfin lancer les upgrades. Lurker, par contre, l'armée qui va, c'est fort. Hein. Le Zerg va découvrir sa base. Hein. Du Zélot. Il va perdre sa base. Il va bientôt creeper. Hein. Il va bientôt creeper sur la base, donc il va pas tarder à être repéré. Ouais. Après, là, il a 55 probes contre 48. Hein. Mais bon, il y a 11 probes, hein. 11 drones en probes, mais. T'en supplie, fais un crépu. Oublie pas ton crépu. T'as pas le droit d'oublier le crépu. Ah, il l'a ? Mais après. Ouais, mais il fait rien avec. Il peut faire double crit là. Voilà. Blink, c'est pas bon.
Bling, c'est pas la bonne, Archer il fallait faire templiers. La chance. Le cercle au niveau upgrade, ouais. Il a lancé le 2. Ouais. Après, là il a lurker, mais il a pas le T3, donc c'est des lurkers un peu low cost. C'est pas Papa Lurker qui vient de casser le cul. Ouais, ouais. Et vu là, qu'il a quand même. Il a 3 disrupteurs à peine, c'est pas suffisant. Il pourrait en avoir tellement plus. En fait, il a 2 complexes robots, mais il fait rien avec ces 2 complexes lurker, robots. 3 lurkers, pas mal de ligues. Putain, c'est ballot, il a 2 complexes robots, mais il fait pas d'unité de la robot. Il ramasse. Éclaire le creep, c'est pas trop mal. Il Allez, a vu les lurkers. Tu l'as vu. Vas-y, blink. Envoie la boule. Oh, envoie la boule. Voilà. Ouais, mais ça suffit pas à buter un lurker. Il en faut 2. À côté, donc ouais. Je suis pas fan. Colosse, allez, je suis pas tranquille. Fan non plus. Oh non, il fait les mauvais calls. Il fait les mauvais calls. Il fait la. Ah, Storm, ça j'aime bien. Storm, ça c'est un bon call. Parce que Storm, t'as envie de faire des archons. T'as envie de faire des zélotes avec des archons. Je veux juste qu'il fasse du zélote. Archon, Imo, et il gagne la game tranquille, c'est sûr. Ah mais full Imo là, ça va dépecer tous ces rodins. Non mais là il fait des Archons, des Imo, des charge lot et c'est gagné mais... Cette base. Il fait la mauvaise compo en fait, c'est ça le problème. Il a pas vu le run by qui arrive là. Après là, ça va peut-être rassurer le Zerg qui va se dire il a que 2 bases, tu vois. Ah moi je suis le Zerg, je me dis pas il a 4 bases. Mais c'est un peu il le pire endroit B3, en fait hein. Et après c'est le pire endroit du coup il a pas. Il pourrait attaquer vers vers la droite. Et il a de la chance que le creep il monte pas sur la base d'en haut à gauche hein. Non mais il a de la chance que le type il scoute pas. Et vraiment il fait la mauvaise compo d'armée, c'est dommage. Ah il fait enfin la charge, il fait la charge, ça c'est bien. Ah, ok, le bon warpin ça c'est cool, voilà. Le warpin c'est good. Il fait des zélotes, parfait. Voilà, il a fini par m'entendre à travers le cast. Nickel, ouais. Warpin dans ta B2 s'il te plaît. Il l'a senti. Ok c'est bon, il perd que 4 probes, c'est rien. 4 probes c'est largement ok. Il est en haute position donc il perd les 6 cafards, c'est nickel. Juste Novo, fais des zélotes, des imos, des archons et tu gagnes en fait. Je vois pas pourquoi tu t'amuses avec des colosses. Il a 3 disrupteurs, il pourrait s'amuser. C'est vrai que ce matin, ouais mais non, il est pas là pour s'amuser. Il est là pour l'éclater le mec en face, t'entends. Ouais il peut s'amuser en l'éclatant. Lancé, En face ça a le T3 mais ça fait pas les upgrades du lurker. Ah, ça par contre ça peut faire du mal, le gros run by de 20 roach là. Il l'a fait exploser avant. Là il a buté un lurker avec. Ouais. Et en fait ça pop est trop au milieu de nulle part, là si le Zerg il lui prend en 360 il l'éclate. Hein. Il peut pas du tout se permettre de rester là, hein. C'est nul comme position. Ah c'est pas la meilleure. Bon il a le blink au moins, c'est déjà ça. Là il y a 2 colosses et 5 zélotes, ah, ça va pas être suffisant. Et recall. En vrai j'aime bien parce que j'aimais pas sa position donc ça me va. Il a F2 à move dans sa base là. Ça va être disrupt. Non mais avec le DPS des colosses ça a été suffisant. Bah il a recall quoi. Ouais. Là en vrai il a 76 propres contre 63 mais j'aime pas du tout l'armée qu'il a quoi. Genre là il fait 3 vipères le mec en face hein. Il va pouvoir pick up pas mal de colosses. Là ce champ de mine. J'aime pas du tout l'armée de... Et là vraiment, hein, il fait 200 de pop, Imo, Archon, Charlotte, c'est gagné, hein. C'est game over, genre là il transige Kaitos, ça peut être game over aussi ça. Ah, il a fini par repérer la base, ça c'est huge. Aïe. Est-ce qu'il l'a vu après? Ouais il l'a vu, il a direct envoyé des Zerglings. Là il faut vraiment qu'il recall tout de suite. Ouais. Il faut qu'il recall Non c'est trop tard mec, recall. Soit tu recall l'armée, soit tu recall tu peux pas recall. Ah là il va perdre beaucoup de temps je pense. Et surtout il va perdre la base en fait. Ouais faut tout de suite qu'il la repose en à gauche là. Voilà c'est bien t'as la propre. Vas-y pose la base. Le problème c'est que là ça étend trop son champ. Genre du coup tous les run by de la droite il peut rien faire contre. Il fait des DT, ça j'aime bien. Il a zéro sport dans les bases. Oh, ça c'est cool. 3 disruptions là. Oh là là. Ouais mais c'est ça le problème du disrupteur en fait. C'est qu'il va se faire juste Avec travaille peur là et, voilà, il va se faire ouvrir ouais. Oula non tu peux pas monter cette rampe, ça par contre c'est bon. Raté la disruption, dommage. Faut vraiment qu'il ait quelque chose pour gérer ses 20 rounds. Faut pas qu'il attrape les colosses en tout cas. Et moi je pense qu'il doit back, il doit partir de là et essayer de trade un maximum avec les stalkers mais. J'aime pas du tout son armée quoi. Bon là le Zerg il a. Il a pas une armée très mauvaise.
En vrai, s'il perd cette armée, ça me dérange pas spécialement parce que ça va lui permettre de reprendre en carrière. Après, faut bien voir, hein, le Zerg, ça fait depuis tout à l'heure, il a 17 roaches ici, il fait rien avec. Hein. Là, il perd ses élotes, carrière, ça va être douloureux. Hein. Allez, vas-y, switch carrière, c'est maintenant là. Vas-y, t'as 3 Stargate, faut que tu produises. Allez, nouveau, produit. Voilà, ça c'est mon nouveau. Let's go. Rajoute des cas, je rajoute des Stargate. Oh, l'économie des joueurs, incroyable. En fait, le vrai problème, c'est qu'il a pas remis. Par contre, en vrai, il a pas cassé la base, hein, le Zerg. Il est complètement alcoolique, le mec. Let's go. C'est quoi, il peut faire un run by sur la B3 là? Bah ouais, mais du coup, c'est pas la B3 donc c'est pas très grave. Hein. Je vais arriver pour en DT. DT, j'aime pas mal. Pour gérer en défensif, c'est pas mal. Mais j'aime pas sa pop frontale. Ouais. C'est nul, les soakers. Si tu as prêté sur l'IMO. Nice. Immortel qui effectivement est immortel. Oh, cette vitesse. Ça s'enfuit d'une vitesse. Là c'est bien, hein, c'est bien, il prend une très grosse fight hein, parce que les roaches ils vont jamais limiter les DT. La description. C'est parfait, hein. Ça c'est parfait. Elle était canon. Après en vrai, soyons honnêtes, les roaches c'est quand même une unité qu'il voulait perdre à terme pour la remplacer. Mais là en vrai il est en train de masser des carrières. Hein. Ouais. Il va en avoir 3 et puis bientôt 3 autres. Encore faudrait deux. Juste qu'il les chrono boost. Faut vraiment qu'il reprenne B5 par contre. Parce que la base en haut elle peut pas tenir ad vitam aeternam. Pour ça, il fallait en fait fallait anticiper et la poser en avance. Et là, il y a full larker. Surtout la position des photons, quoi. Ah, il a récolté les props, c'est bon. Il va transiter sur. Mais il fallait anticiper, par contre. En vrai, je suis pas tout à fait contre le fait de la perdre parce que ça voulait faire une game un peu plus normale, entre guillemets. Genre, il va pouvoir tenir des fronts plus classiques, on va dire. En vrai, là, il est en train de masser les cartes. Oh, l'autre, il a beaucoup d'itara quand même. Il a combien de Templars? Il y a un seul Templar. Ah ouais. Ah, par contre, s'il casse les hydras en mid-map, c'est pas mal. Bon, la Storm, elle est bonne. Ouais, la belle Storm. Oh, les forces. Oh là 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 là, les offres. La moitié des hydras sont tombées là. Attendez, vous êtes en train de. De casque là ? On casse pas. Ouais, on est là. Bon, allez. On casse le Novo. Go, c'est dommage, Novo il a pas compris c'était quoi les bonnes unités protos, il fait des stalkers putain, on zerg. Ouais, enfin moi je suis en train de regarder votre stream là, je vois aussi des disrupteurs, à mon avis il a pas si mal compris c'était quoi les unités pétées du jeu. Hein. Tu veux voir c'est quoi l'unité pétée du jeu? Voilà, elle arrive après là, dans 2 minutes. Oh la disrupteur, elle était énorme. Oh la disrupteur. Allez disrupteur. Par contre il faut qu'il fasse des ops. Oh, une explosion de 20 pop là. Go Novo. J'aime bien ce run by, mais par contre il faut l'activer. Vas-y, fume-moi, c'est leur cœur. Il a gardé la truc, mais c'est dommage, il mine pas en fait. Il y a beaucoup de propres, mais il mine pas. Il mine 200 de gaz minute. Ouais. C'est pour ça qu'il peut rien faire en fait. Ouais, mais il fait des gaz B3. Il fait des carrières, il fait des carrières. Ouais, mais mec, toutes ces probes, elles se touchent la bite. Après, ils ont 3000, 3000 chacun. Mine du gaz. Mais non, il a 100 de gaz. Et les carrières, c'est cher en gaz. Tu viens me dire, toutes ces props se touchent la bite. Mais genre, c'est tous les protos comme ça, mec. Genre, c'est naturel chez eux. Mais non. C'est une erreur. Mec, il y a tellement d'hydra. Mais tellement de zélotes là. Mais ils sont où les zélotes? Oh, ça va être la surprise. Ils ont sorti des pop là. Oh. Merde, c'est mauvais pour Novo là. Éclaté, bah c'est ouais, mort. Ah ouais, c'est éclaté. Oh, par contre, la disru. Ah ouais. Oh, dommage, il commence. Enfin. Ah, allez, encore une disru là. Encore une disru. Oh, les storms, mec. Avec les storms. Encore une autre disru. Mais c'est vraiment con, hein. Ouais, si vous prenez du gaz depuis mais non, les élotes. Il mine zéro gaz en fait, c'est ça le problème. Du coup, vu que je suis pas sûr que mon micro il soit bien réglé et que en plus vous êtes. Oh non, les élotes. On t'entend. Je vais vous laisser caster cette game de génie. Go go, Angel Novo, Wings, go go. Mais Novo, t'as si fort. Défoncé. Oh putain, t'avais tellement gagné. C'est quoi ce F2 à clic là? Regarde les élotes là, c'est maintenant qu'il faut les split. Non, Novo, t'as trop. Novo, t'as trop. T'as fait la mauvaise armée. Il a donné toutes ses carrières. T'as fait la mauvaise compo, t'as perdu tes carrières, t'as pas miné de gaz. C'est ça le problème, hein, parce qu'il a plein de minerais. Hein. Il avait plein de drones, mais il récoltait tous du minerai alors qu'il fait que des unités à gaz. Ça va être GG timing là. Ouais. Là, il faut partir, mon ami. Là, il reste parce qu'il a des élotes, il voit qu'il y a pas de drones. Des disrupteurs. La réalité des choses, c'est que c'est perdu. L'armée elle est plus testable.
T'as même plus de détection en fait. 67. Putain, il avait 64. Tellement moyen de la gagner, c'est tellement dommage. Eh oui. Oh. Il avait tellement moyen de win. Putain, c'est trop con quoi. Il ressort des carrières alors qu'il y a beaucoup de joueurs en face. Non, mais il a l'écho pour repop hein. Après, bon, le. Ah, mais t'as 60 de pop, 160. Quoi. Ouais. Mais t'as 3000 de minerais, mais 60 il a de plus top. D'économics que le Zerg. Hein. Ouais, mais il a pas d'armée. Oh là là, les carrières. Là, il est dans ses bottes de prod. Ah, mais les carrières, c'était le mauvais call, hein, où il a pas assez amassé. Non, non, les carrières, c'était le bon call, mais c'est juste qu'il a. Il avait pas pris les gaz, et du coup, il a pas pu en faire beaucoup de 1, et de 2, il a pas pu faire une armée qui va avec. Parce que, genre, tu mets ces hydras là. Ouais. Tu mets des storms. Bah c'est game over, mais vu qu'il a pris des gaz que de la B2 ici et de la main, bah il pouvait pas faire carrière, storm et disru. Donc il a fait la mauvaise armée quoi. Il a fait la mauvaise armée, il a pas pris les gaz. GG Novo, faut partir. Allez. Respecte c'est pas un la peu peine. Ton adversaire, quitte cette game. T'as 3000 de minerai, je sais, mais t'as pas fait ce qu'il fallait mon ami. Regarde-le, a planqué 5 unités au nord. A 50 de pop à 150. Alors oui, les DT c'est fort, mais... Et quand il y a des vigilants... Il pousse un petit cri. Ah, c'est trop bête. C'est trop dommage. Bon, néanmoins. Néanmoins. On avait 3 BO. On en a gagné 2. C'est gagné. 2 petits 2-0. Ah, mais là, cette dernière... Oh, quel dommage. Ask. Score final de 4 à 2. Victoire d'Angel Wix pour ce soir. GG à tous. GG à tous.